Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et oui, nous nous retrouvons pour 2 heures d'émission de Parlez-moi d'avenir. Et à partir de maintenant, bien sûr, 2 heures, 20 heures, 22 heures, j'attends vos téléphones au 0901 901 996. Ce numéro, bien sûr, que vous connaissez parfaitement maintenant. Donc ce numéro, vous le composez, vous faites ensuite le 1. Vous serez avec moi ce soir en passant par la personne qui est au téléphone. Si vous voulez pas être avec moi, vous voulez être avec quelqu'un à l'arrière plutôt, pas de souci, c'est votre choix, vous avez le droit. Eh bien, vous faites le 2, vous composez le code, après avoir fait le numéro, vous faites le 2, lorsque la voix vous le demande. Et ensuite, quand la voix vous le demande aussi, eh bien, vous composez le code PIN de la personne qui est à l'arrière, les personnes qui sont en bas de votre écran. S'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez tout de suite composer leur code PIN. S'ils sont en jaune-orange, ils sont occupés. Il vous faudra attendre que la personne se libère. Si vous ne voyez pas le nom de votre voyant ou voyante préféré en bas, eh bien, c'est simplement peut-être parce qu'il n'est pas connecté ou ils sont plus que 8 et on ne le voit pas tout de suite, il y a une rotation. Dans ce moment-là, vous devez attendre ou simplement aller aussi voir sur le site, savoir si la personne est connectée ou pas. Voilà, ça c'est pour le direct, bien sûr. Si vous désirez participer à cette émission, vous dites oh, « moi j'aimerais bien poser une question ce soir à Bruno ou un de mes collègues ces prochains soirs », Pas de souci. Vous pouvez, bien sûr, à ce moment-là, par exemple, participer. Donc, vous pouvez téléphoner, bien sûr, comme j'ai dit, au 0901 901 993, mais vous pouvez aussi participer à notre jeu concours TVM3, où il s'agit de vous inscrire par SMS en envoyant le mot TVM3 au 700-700. Vous envoyez ça et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. TVM3 au 700, ça vous coûtera 1 franc. C'est 1 franc par SMS envoyé. Et ensuite, dès que si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera. Et vous ne payerez pas. Qu'est-ce que vous gagnerez? Eh bien, la consultation. Vous ne payerez pas du tout que vous fassiez 10 minutes avec moi ou un de mes collègues, 15 minutes, 30 minutes. C'est rare qu'on fasse aussi long, mais le temps que vous passerez à l'émission, donc vous ne paierez pas 1 centime, ça ne sera que pour vous inscrire au concours 1 franc que vous aurez payé. Donc pour 1 franc, pour cette modique somme de 1 franc, vous aurez eh bien, une consultation gratuite. Naturellement que par téléphone, vous et par l'émission nous, si vous gagnez le concours ou même si vous ne gagnez pas le concours, vous nous téléphonez, on ne peut pas faire une consultation complète ici au studio. Ce sont des questions qu'on attend de vous, questions le plus précises possible, sans parler ou sans nous expliquer, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, vous pouvez, hein. Mais vous, ce qu'il nous faut, c'est une question précise. Et voilà, ne téléphonez pas en disant oui, regardez ce que vous voyez pour moi en 2023. Moi, je fais ça, mais je ne le fais pas ici, je le fais dans mon cabinet où je vais tirer un jeu général. Et là, je vais vous dire ce que je vois sans que vous posiez de questions. Mais on ne peut pas, dans le temps imparti qu'on a avec chaque personne, et surtout le fait que vous n'êtes pas en face de nous, vous êtes de l'autre côté. Moi je ressens, il y a des gens qui n'arrivent pas, mais nous, l'équipe qu'on est là, on ressent bien les énergies à travers le téléphone, mais il faut poser des questions. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais changer de travail? Vais-je trouver un nouveau boulot? Vais-je trouver un appartement? Est-ce que je vais partir de là où je suis? Je ne m'y plais plus, je ne sais pas, voilà, je vous donne des exemples. Est-ce que mon fils, ma fille va réussir ses études, son année, son apprentissage? Voilà, il me faut le prénom de la personne, hein, donc, et sa date de naissance. Voilà. Il me faut aussi le vôtre de prénom et votre date de naissance afin que je puisse ressentir les choses. Et puis, bien sûr, je ne les dirai pas. Hein, donc, si vous ne le désirez pas, alors je vous poserai toujours la question. Vous verrez en disant est-ce que je peux dire votre prénom ou pas. Si vous dites oui, eh bien, je le prononcerai. Si vous dites non, je vous donnerai un nom d'emprunt et ainsi, voilà, vous resterez complètement, complètement anonyme. Hein, voilà, donc n'ayez aucune crainte, on ne mord pas sur le plateau. On a bien mangé ce soir, pas de souci.
Par contre, il faut faire le pas de téléphoner. Hein. Ce n'est pas nous qui allons. Alors, nous, on vous appellera si vous avez fait le concours et qu'on doit vous rappeler, et que vous avez gagné, on va vous rappeler. Voilà, on vous dira, voilà, vous avez gagné le concours. Est-ce que vous voulez passer maintenant, plus tard, un autre jour? Parce que des fois, les gens, ça leur convient. Ils sont inscrits peut-être il y a 2 ou 3 jours et ça ne leur convient pas sur le moment. Sur le moment, ça peut arriver. Vous savez aussi, je vous rappelle aussi une chose. Pour tout le monde qui est à l'arrière, et moi-même compris, donc pour toute l'équipe de TVM3, si vous n'arrivez pas à nous atteindre, ça peut arriver. Hein. Moi, ces jours, j'ai été plus ou moins, pas tout le temps non plus connecté, mais des fois oui, des fois non. Et que vous avez absolument besoin de me parler ou de parler à un de mes collègues. Hein. C'est pour tout le monde, comme je viens de le dire. Eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Donc, il vous suffit d'appeler la chaîne, donc le 021 694 24 00. Bien sûr, pendant les heures de bureau, si vous téléphonez aujourd'hui, c'est un répondeur. Vous pouvez laisser votre message, mais on vous appellera à ce moment-là dès que la personne de la semaine aux heures de bureau sera là. Et donc, dire, voilà, j'aimerais un rendez-vous avec tel ou tel ou autre, ou Bruno, si vous voulez. Et j'aimerais savoir quand c'est qu'il sera connecté parce que, voilà, j'ai des questions urgentes ou importantes, voilà. Et alors, à ce moment-là, on va, la production va nous appeler en disant, voilà, il y a quelqu'un qui cherche à te joindre. Quand c'est que tu seras disponible? Et puis, là aussi, comme je le dis souvent, en faisant la demande, dites 2 ou 3, en tout cas, plus si vous en avez possibilité, de dire, voilà, j'aimerais atteindre tel et tel, mais moi je serai disponible mardi, je dis n'importe quoi, de 10h à midi, mercredi de 16h à 17h, jeudi non, mais vendredi aussi, je ne sais pas, entre midi et 2h. Voilà, donnez 2 ou 3 possibilités afin que la personne ou moi-même, on regarde aussi, parce qu'on a aussi d'autres occupations, peut-être que les 3 dates, de ces 3 dates, il n'y en aura qu'une qui jouera pour nous, pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Et à ce moment-là, la personne d'ici de la production qui va nous appeler, on lui dira, bah, écoute, moi, c'est plutôt cette date-là ou ce jour-là, à telle et telle heure qui me convient. Et la personne vous rappellera en disant, voilà, Bruno ou X, tel et tel, sera connecté à la date que vous avez donnée tout à l'heure, mais pas celle de mardi, celle de mercredi. Voilà, je dis n'importe quoi. Mais voilà, donc donnez toujours des possibilités. Et on se connectera au moment et à la date et à l'heure prévue pour pouvoir vous parler, pour pouvoir répondre à vos questions et répondre peut-être à une urgence ou quelque chose. Voilà. Donc sachez que nous sommes quand même atteignables, même si nous ne sommes pas à l'arrière. Ici, ils peuvent nous atteindre à tout moment, donc pas de souci. Hein, voilà. Et puis aussi, comme ce que je pensais, c'est que les questions que vous pouvez poser ici en direct, ce sont toutes les questions que vous voulez, sauf questions, vous le savez peut-être, vous le savez la plupart, mais tout ce qui est médical de façon précise, parce que si vous téléphonez en disant, voilà, je ne suis pas très bien, je sors de l'hôpital, est-ce que ça va aller mieux? Ça, on peut répondre. Mais ne nous posez pas des questions si sur tel ou tel médicament vous convient. Est-ce que vous devez faire telle ou telle opération? Est-ce qu'on m'a diagnostiqué ceci, cela? Est-ce que c'est bien cela? On ne peut pas répondre à ce genre de questions. On le répétera 10 fois, 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois et plus. On ne peut pas répondre à ce genre de questions. Nous ne sommes pas médecins. Nous ne sommes pas habilités à répondre à ça. Pour cela, vous avez, comme je le dis toujours, vos médecins, vos praticiens, vos spécialistes, ou les gens que vous, ou les hôpitaux. Donc voilà, donc adressez-vous à ces professionnels de santé pour pouvoir poser ce genre de questions. Eux sont aptes à vous répondre. Nous, on peut aller voir les énergies si ça ira mieux, si ça va aller, si vous allez vous sortir de ce mauvais pas. Voilà, ça on peut voir. Si le moral, ça peut être aussi le moral, si le moral ira mieux, mais encore une fois, on ne peut pas parler de choses médicales précises et non plus parler de tel ou tel médicament et surtout ne nous donnez pas de nom de médicament, on ne peut pas. Voilà. Alors, médical, religion, tout ce qui est religieux aussi, c'est pas que nous sommes athées, chacun a sa religion, mais je crois que c'est bien compris que chacun a le droit d'avoir la religion, la façon de penser qu'il veut,
mais on n'est pas là pour imposer ou favoriser telle ou telle religion. Et puis aussi tout ce qui est politique. Nous sommes apolitiques, nous ne sommes pas plus pour un parti que pour un autre, ça existe, mais voilà, nous ne sommes pas, non seulement pas habilités, mais aptes à répondre à des questions politiques de parti ou de ceci ou de cela, ou qui sera président ou qui sera présidente. C'est pas notre sujet, ce n'est pas notre leitmotiv, on ne parle pas de ça chez nous, directement, bien sûr, maintenant... Je veux vous donner un exemple. J'ai eu quelqu'un une fois qui m'a dit, voilà, moi je suis dans un parti, je lui ai dit stop, on parle pas de ça. Il m'a dit non, c'est pas, je voulais savoir si j'aurais de la chance d'être élu. Alors ça on peut répondre, pourquoi pas, mais c'est pour une personne bien particulière qui dit voilà, j'aimerais être élu, ou peut-être être élu à tel endroit, est-ce que j'ai des chances d'être élu. Alors ça c'est une question qu'on peut poser, mais nous dire que tel ou tel parti, est-ce qu'il est mieux qu'un autre, ou ça c'est pas notre voilà, c'est pas notre tasse de thé. Même personnellement, ça n'a jamais été, sans parler de voyance ou de médiumnité, ce n'est pas ma tasse de thé. La politique ne m'intéresse pas du tout, et on n'est pas là pour, mes collègues et moi, répondre à cela. Voilà. Donc vous savez tout ou presque tout. Presque tout, parce qu'il y a toujours des choses à dire. Mais voilà, donc n'hésitez pas à appeler au 0901-901-993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez aussi que nous avons un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Eh bien, comme je viens de dire le nom, le shop. Donc c'est un shop où on a plein d'objets ésotériques, surtout bien sûr des pierres de protection, des pierres pour tel ou tel problème, le moral, etc. Tel ou tel bracelet, boule de jaspe, grenouille de la prospérité, dont on en a parlé souvent, plein de choses que je vous laisse découvrir. À chaque fois, lorsque vous cliquez sur la photo de l'objet en question, vous avez une explication. Vous avez aussi, bien sûr, le prix qui est sans les frais de transport, hein, vous le savez maintenant. Donc c'est uniquement le prix, on va dire, de l'objet, mais à ça il faut rajouter le prix de l'envoi, si on doit vous envoyer. C'est pour ça que je dis souvent aussi, plutôt comme, alors c'est clair qu'il y a des choses qui sortent petit à petit, peut-être que vous commandez une fois une chose, une fois une autre fois, mais si vous avez deux ou trois objets qui vous intéressent, profitez de les rassembler. Nous, qu'on fasse un colis avec un objet ou avec trois, ça revient au même, puis peut-être ça ne coûtera pas beaucoup plus cher, mais plutôt que de payer trois fois le port, ben, vous ne le payez qu'une fois. Je dis ça comme ça. Vous faites comme vous voulez. Vous savez aussi que sur ce site, nous avons donc les replays. Les replays, ce sont les anciennes émissions, les consultants. Vous pouvez voir un petit peu quelle est notre politique, notre philosophie d'entreprise, comment on travaille tous dans la main dans cette entreprise, dans la voyance, la médiumnité. Et vous avez aussi, bien sûr, les cartes prépayées. Les cartes prépayées qui servent à quoi, pour ceux qui ne le sauraient pas? Eh bien, à obtenir des minutes meilleur marché. Comment cela fonctionne-t-il? Rien de plus simple, mais bon, voilà, rien de plus simple. Si vous n'en avez jamais entendu parler, ce n'est pas toujours évident. En fait, c'est, vous prenez des paquets de minutes, 10 minutes, 30 minutes. Chaque fois que vous augmentez, plus vous augmentez de minutes, en prenant un paquet par exemple de 30, 60, 90 ou 120, moins cher sera le prix à la minute. 10 minutes, c'est le premier prix. Vous ne pouvez pas prendre en dessous de 10 minutes, c'est 3 francs 50 la minute. Et plus vous allez prendre 2 minutes, 3, 40, 3, 30, 3, 20, 3, 10, etc. Jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. 120 minutes que vous pouvez, bien sûr, répartir en plusieurs appels, naturellement. Je le répète, j'ai le souvenir, je vous l'ai dit déjà, d'une personne qui avait dit, mon Dieu, mais si je prends 120 minutes, je n'ai pas 120 minutes, qu'est-ce que je dis pendant 2 heures? Je dis, mais non, vous faites 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ce que vous avez besoin, merci, au revoir. Et si vous avez pris 10 minutes, ben, il y a 220, il vous en restera 110 pour d'autres fois. Et si une autre fois vous prenez 5 minutes, ben, il vous en restera 105, etc. Ça me semble logique. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident.
quand on n'a pas l'habitude d'utiliser ça, bien sûr. Et comment acquérir ces minutes aussi? Rien de plus simple, rien de plus facile. Si c'est sur, il y a deux façons. Si c'est sur le site, vous prenez une carte de crédit. Attention, uniquement de crédit, pas de débit. Vous mettez votre numéro. Dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres et vous aurez un autre numéro. Vous pourrez appeler, vous faites ce numéro. Dès que vous aurez fait ce numéro, on va vous demander le code à 5 chiffres. Vous le mettez. Et ensuite, ça sera 1 si c'est pendant le direct l'émission, 2 si vous voulez parler à l'arrière, ou 3 si vous ne voulez pas choisir. Voilà, donc ce sera la même chose que l'autre ligne, bien sûr. Hein. Voilà. Voilà, donc ceci étant dit, je crois que je n'ai rien oublié. Ah oui, j'oublie souvent de le dire, vous savez que cette émission est rediffusée tous les lendemains. D'entre 12h et 14h. Vous pouvez en fait revoir l'émission directe du soir tous les lendemains. Donc aujourd'hui, donc c'est ce que je suis en train de dire là, je leur dirai demain, mais en rediffusion bien sûr. Et là, vous pourrez, alors vous pourrez pas appeler en direct puisque c'est une rediffusion. Ce soir, vous pouvez appeler en direct, mais lors de la rediffusion, ça me semble logique. Hein, mais des fois, faut quand même le dire. Entre 12h et 14h, vous pourrez revoir cette émission. Mais vous pourrez nous atteindre à l'arrière, je peux y être moi-même éventuellement, mais par contre, vous ne pourrez pas appeler l'émission en direct. Comment savoir si c'est une émission en direct ou une rediffusion? C'est toujours marqué à l'écran. Là, là-haut, je crois que c'est de ce côté-là, c'est marqué rediffusion ou direct. Voilà. Si, ou s'il n'y a rien de marqué, c'est du direct. Si c'est une émission qui est rediffusée, eh bien, c'est marqué rediffusion. C'est une obligation. Quand toutes les chaînes, pas seulement la nôtre, quand une émission est rediffusée, en principe, ça doit être marqué quelque part rediffusion. Voilà. Voilà. C'est, cette fois, je crois que j'ai presque, je me semble tout dit. Ah oui, encore Facebook aussi. Vous pouvez aussi, où que vous soyez dans le monde, si vous avez envie de voir l'émission, vous allez sur Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir et vous pourrez suivre l'émission. Il faut avoir, bien sûr, une connexion Internet, bien sûr, et vous pourrez suivre l'émission. Alors, lorsque c'est sur Internet, il y a un léger décalage, bien sûr. Si vous arrivez à avoir un vrai écran de télé et votre écran de votre téléphone portable, vous verriez qu'on dit une chose et quelques secondes après, ça s'est redit de l'autre côté. Il y a un décalage, bien sûr. Hein, voilà. Voilà, il me semble que cette fois, j'ai fait un petit peu le tour. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, en attendant d'avoir le premier appel, vous savez que j'ai ici des protections, le secret, qu'est-ce que j'ai encore? L'éléphant porte-bonheur qui est là. J'ai aussi les cartes. N'hésitez pas à demander des messages de l'au-delà. Ce sont les cartes de Doreen Virtu. C'est un jeu, moi je dis toujours, il faut rendre à César ce qui est à César, que m'a fait découvrir notre chère Sarah, qui est une de nos consultants, qui est venue avec une fois, je les ai trouvés tellement magnifiques que j'ai décidé de les prendre. Mais moi je suis quelqu'un de très, elle peut vous le confirmer, je suis quelqu'un de très, je lui ai dit, j'aime pas faire les choses par derrière, et je lui ai dit, tu permets que je prenne aussi ces cartes, je les trouve vraiment formidables. Elle m'a dit, vas-y, bien sûr, pas de souci. C'est pas interdit, mais voilà. C'est vrai que voilà, je ne voulais pas lui prendre son idée, ce n'est pas une question de ça, parce qu'elle n'est pas souvent là, elle n'est pas toujours là, elle vient de temps en temps, notre chère Sarah. Mais voilà, j'ai pris ces cartes aussi de messages. On ne fait pas le même tirage, c'est elle qui les tire. Moi, je vous demande un stop pour faire plus au hasard. Et donc ça, c'est en fait des messages de personnes disparues, d'être cher. Voilà, si vous posez une question, prenez en principe, on va poser une question d'une personne proche disparue. Ne nous dites pas, tiens, j'aimerais un message, du président, je dis n'importe quoi, du président Kennedy. Hein, je peux pas sortir de message de quelqu'un qui ne vous est pas. Alors, il nous est familier parce qu'on le connaît des nouvelles de ce qui s'est passé, mais voilà, c'est pas un proche. Il faut que ce soit un proche à vous ou à votre famille, qu'on puisse aller voir si elle a un message à nous donner. Donc ça, je peux le faire. Et puis naturellement, il va de soi, j'ai toujours mon Béline, mon oracle de Béline, 53 cartes d'un jeu que j'adore, que je pratique depuis plus de 40 ans. On va en rester là, plus de 40 ans. C'est encore plus, mais plus de 40 ans. Et que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui
va donner des réponses, va. Alors, j'en ai pas forcément besoin, les choses, je les ressens comme ça en médiumnité pure, mais depuis longtemps, j'aime bien m'appuyer sur ce jeu pour confirmer ou pas certaines choses qui pourraient bien sûr me venir ou que je peux ressentir, bien sûr. Naturellement, que ce que je vais ressentir, comment dirais-je, va d'abord primer par rapport aux cartes. Même si les cartes, on dit, ne peuvent pas mentir, eh bien, voilà, ce sont quand même le ressenti qui va être en premier lieu et ensuite confirmé ou pas par les cartes que je vais tirer. Alors, on va tout de suite prendre le. Alors, bon, je vois qu'il y a un appel qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Vous allez Alors, bien? oui, et vous. Alors, je prends Oui, juste vos merci. coordonnées. Alors, je vois. Alors, voilà, je la vois là. Et puis, alors, on parle d'une personne qui commence par N, hein, c'est ça? Oui, mais pour moi, c'est S. Pour vous, c'est S, oui. Voilà. 9. Et puis, encore une personne avec G, qui est. Voilà. Alors, que puis-je pour. Alors, je crois qu'on change votre prénom, en principe, hein. Oui. Je vous ai appelé la dernière fois, je change un petit peu. Je vous ai appelé Serena, voilà. De jolie Serena. Oui, d'accord. Voilà, Oui. Serena ce soir pour nous. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question, votre première question? Alors, je voulais vous demander d'abord sur le plan financier, est-ce que ça va aller mieux? Pour vous donc, vous-même. Parce qu'en fait, vous m'aviez dit que j'aurais quelque chose de bien, Oui? et c'est arrivé, effectivement. Ah, Mais il y a une somme qui est arrivée. oui, donc ça m'a Ben, c'est bon, bien. ça m'a pas mis du beurre dans les épinards, on va dire que ça m'a tiré une épine du pied plutôt. Ben, c'est toujours ça, hein, Mais c'était bien quand c'est même. toujours ça, c'est sûr. Que Mais je ce voulais soit 1 000 savoir francs ou 100 000 si. francs, c'est clair que ce n'est pas la même chose, mais voilà, voilà, tout argent sur lequel peut-être on ne compte pas ou on ne s'attend pas, ben, c'est toujours le bienvenu, effectivement. Donc, je vous l'avais dit. Ok, très bien. Mais est-ce Donc, vous que voudriez voilà, est-ce savoir qu'il y la suite, aura en fait. d'autres bonnes surprises? Voilà. Bon, est-ce qu'il y aura d'autres bonnes surprises pour Serena? Ou est-ce que, disons, on va peut-être pas poser la question comme ça, on va peut-être surtout dire, est-ce que le futur financier, depuis maintenant, va bien aller, on va dire comme ça. Voilà, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Voilà. Écoutez, oui, hein, donc ça, il n'y a pas de carte négative. Moi, je dirais que le passé, voilà, ça, enfin, comme beaucoup de gens, ça n'a peut-être pas toujours été l'idéal, comme vous disiez. Le futur m'a l'air assez bien, puisqu'il y a quand même la carte de la connaissance. Alors, les papiers, ça peut être aussi un héritage, ou ça peut être encore effectivement des sommes d'argent. Ce n'est pas forcément un héritage, ça peut être des sommes d'argent qui rentrent. Et ce qui sort aussi dans le jeu, c'est que, eh bien, comment dirais-je, dans le futur, quand on est plusieurs personnes ou quand on est à deux, eh bien, ça me semble assez logique, le financier va aussi des fois mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes seul Oui. actuellement, ou bien? Voilà. Oui. Donc, simplement, ce que ça veut dire, qui que ce soit, hein, je ne vais pas parler de personne précise, mais qui que ce soit, si une personne vient et puis que. Je dis pas forcément qu'on habite ensemble, qu'on se met en couple ou pas, ça je sais pas, on n'a pas été voir ça, mais le fait qu'on soit deux, qu'on habite ensemble ou pas, eh bien, les finances peuvent des fois un petit peu, quand on partage certaines choses, des fois ça va aussi un petit peu mieux, ça aide en tout cas, c'est dans ce sens-là que je le dis. En tout cas, ça me dit oui, ça me Bon, dit pas non, ouais. hein, voilà. Donc il y a de ce En tout cas, côté-là. pour l'instant, je Pardon? peux pas compter. Je veux dire, je peux pas compter sur quelqu'un Pour à ce l'instant, non. niveau-là, en tout Pour l'instant, non, mais cas. j'ai bien compris. Mais ce que je voulais encore une fois dire, c'est que dans le futur, vous ne serez pas seul. Voilà.
Voilà. Qui que ce soit. Autre question, peut-être? D'accord. Oui, je voulais savoir par rapport à si un jour je vais réussir à déménager d'où j'habite. Oui. Parce que Est-ce que vous allez réussir un jour à déménager en ce d'où vous... moment, je peux dire que j'améliore pour l'instant, parce que j'y habite, mais sans conviction. Mais est-ce qu'un jour je vais vraiment réussir à partir de là-bas, quoi? Et pourquoi vous pourriez pas... Ben, parce que j'ai pas fait les démarches au bon moment, et puis maintenant Ah, c'est un petit peu parce que coincé, j'allais quoi. dire, on a tous le droit de déménager, en principe, on n'est pas attaché Oui, à un mais appartement. j'ai pas fait les bonnes démarches au bon moment. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez un Voilà. jour déménager? On va dire simplement, est-ce que vous allez déménager un jour? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Vous êtes un peu sorti aujourd'hui, vous avez été vous Oui, promener. sous la pluie. Sous la pluie, ouais, au début de journée ça allait, mais alors après ça Voilà, s'est. début de journée, j'ai le lourd et après, il a plu d'un coup. Ça s'est gâté, effectivement. Ouais. Bon. Le 2, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui. Nettement, oui. Hein, ça dit, alors, ça dit aussi un oui assez fort. C'est vrai que c'est peut-être pas effectivement d'actualité pour l'instant. C'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, mais on voit qu'après, il y a la progression. C'est-à-dire, c'est comme si ça disait petit à petit, ben, vous allez pouvoir peut-être vous détacher ou partir de là où vous êtes, ou mettre en ordre certaines choses, et petit à... Alors, c'est pas que... Alors, quand on déménage, on finit un mois, puis on commence ailleurs, je sais bien sûr que c'est brusque, mais c'est comme si, vous, effectivement, vous avez des choses à préparer auparavant pour pouvoir faire ce déménagement. Et ça me dit oui. Ça peut prendre un petit peu de temps encore. Hein, donc, comme je vois là, ça pourrait encore se reporter sur... Peut-être sur... Alors, encore une fois, les dates, c'est compliqué. Peut-être sur 2024, mais pas tellement sur cette année 2023, hein, voilà, qui est déjà bien entamée, d'ailleurs, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais, je vois... Alors, je vois 2024 ou plus loin, mais pas avant 2024, minimum. Voilà. Autre chose, Parce éventuellement? que vous voyez, en ce moment, j'achète même des meubles pour un peu mieux vivre, mais Oui. c'est pas là que j'aimerais faire tout ça, quoi. Bon, c'est Je comprends, compliqué. je comprends. Donc vous voudriez déménager. Après, j'ai vu que vous avez une personne avec N. Oui. Qui est-elle Ben, je par... vais savoir si elle va trouver un appartement Qui cette année. est-elle? Qui est-elle par rapport à vous? C'est ma tante. C'est une tante. Oui. D'accord. Alors, est-ce que N va trouver un appartement et déménager aussi? Alors, c'est un peu la Oui. même question. D'accord. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le pour elle, le 3, d'accord. Elle habite loin de vous? Oui et non. En bus un peu, en voiture moins. D'accord. Mais elle est On va aller juste comme ça à une pour le heure. pour plus par curiosité, elle voudrait déménager. Pourquoi? Parce qu'elle est plus bien là où elle est non plus? Ou elle cherche Oui, plus petit ou voilà. plus grand? Ou c'est qu'elle est Un peu plus petit un peu et plus petit? puis Et oui, peut-être pour moins être mieux, cher, c'est oui. ça? Un petit peu aussi, oui. D'accord. Alors, les cartes pour l'instant ne répondent pas. Là, le 3, hein, vous avez dit. Oui, Oui. c'est ça. Ah, ça me semble plus compliqué. Moi, pour l'instant, ça me dit plutôt... Oui, on ne peut pas toujours dire oui. Là, ça dit plutôt non. Il y a l'envie, il y a le... Comment dirais-je? Attendez voir. Je vais aller voir. Je fais une bêtise. Ouais, c'est comme s'il manquait... Il manquait... Alors, je sais pas comment dire. S'il manque certaines choses ou... Ou est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'elle gagne pas assez, je dis n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque pour un déménagement. C'est comme s'il lui manque des choses ou des papiers,
ou un revenu suffisant pour pouvoir changer d'appartement, ou quelque chose qui bloque dans ses papiers. C'est difficile à dire quoi. Mais là, je dirais que pour l'instant, c'est bloqué chez elle, par contre. Hein. Voilà. C'est pas défini. Heureusement, rien n'est jamais définitif, puisqu'on voit après qu'elle a la nouvelle et le plaisir, ce qui veut dire qu'à un moment, la situation pourrait se débloquer, mais je ne vois pas dans les 2 prochaines années, par contre. Donc, moi, ça serait plus Ah loin. bon? Parce Non, non, que non. Alors, il y pour a l'instant. quelque temps, j'avais demandé si vous aviez vu plutôt en été. Mais à qui, à moi? Oui. Alors, quelque chose qui bloque, là, en tout cas. Alors, Oui, moi, il y a quelque chose qui mais bloque attendez, maintenant. attendez. Il y a peut-être des choses qui ont changé, hein? Mmh, Vous savez que, comme on le dit encore une fois, ouais. Oui. ce n'est pas une excuse. On peut se tromper Oui. aussi. Hein, peut-être que j'ai dit oui et c'était Ouais, non. oui. On peut se tromper, mais c'est comme si maintenant il y a quelque chose qui bloque. Et puis, pardon. Moi, je dirais quand même qu'il y a quelque chose qui bloque en elle-même, en fait, aussi. Comme si elle avait Bah, peur de déménager quelque part. oui, bon, parce que aussi, bon, ça, vous aviez vu, elle avait eu une proposition d'appartement, mais c'était trop bord de la route. Donc, elle voulait pas trop. Et Ouais. puis, c'est peut-être ça que vous aviez vu. Puis après, ben, peut-être maintenant, il y a moins d'opportunités. Je sais pas. Je m'excuse, vous pouvez parler un Voilà. petit peu plus fort, je vous J'ai entends à dit, peine. oui, c'est un appartement que vous aviez vu qui était trop bord de la route, donc elle ne le voulait pas. Oui. Et je dis, maintenant, il y a peut-être moins d'opportunités. Ah ben voilà, c'est ça. Parce qu'on dirait qu'effectivement, il y a quelque chose qui bloque. Les choses ont peut-être changé depuis cet été. Parce que, vous savez, c'est comme tout le monde. Des fois, on dit, ah oui, c'est bon, ça va arriver. Puis tout d'un coup, paf, ça ne peut plus arriver parce qu'il y a des choses imprévues qui sont venues bloquer et qui peuvent changer les choses. Rien n'est écrit, rien n'est jamais définitif dans un sens ou dans l'autre. Moi, je dirais que, parce qu'en fait, là, la carte des ennemis est une carte qui était plutôt positive. Alors, quelque part, j'avais même pas fait attention à la carte du milieu, c'est comme si effectivement, à un moment, elle aurait pu, et ben maintenant, c'est un petit peu bloqué. Voilà. Elle a peut-être loupé une opportunité, je pense. Hein, voilà. Mais bon. Alors, il y a un petit peu. Alors, là aussi, moi, je vous dis une année, 2 ans, c'est peut-être c'est 10 mois, 15 mois, c'est difficile à dire, hein, le temps, vous le savez pour nous. Mais pour l'instant, il y a un blocage, voilà. Donc ça s'est reporté éventuellement 2024 ou plus loin. Mais c'est aussi un peu comme vous, mais pas, mais c'est pas. Encore une fois, j'allais vous dire, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Rien n'est jamais définitif, et on voit qu'à un moment la situation va se bloquer. C'est bloqué pour l'instant, simplement. Voilà. Autre chose D'accord. éventuellement? Oui, je voulais savoir pour la dernière personne, Oui. je voulais savoir si précisément s'il a été en fait déçu, en me, enfin, est-ce qu'il a été déçu de quelque chose par rapport à moi? S'il a été déçu, quelle que soit la chose, en fait, on ne va pas rentrer dans. Voilà, quelle que soit la chose, est-ce qu'il a été déçu? Est-ce qu'il était déçu par vous de quelque chose? Ok. Ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 4. 4. Alors, déçu n'est pas le bon mot. C'est ce que me disent les cartes. C'est plus une peur de quelque chose. C'est pas tellement. Et ça, alors, je ressens pas ce mot déception que vous l'avez déçu. C'est comme. Il y a peut-être quelque chose. Alors, quand je dis peur, c'est pas non plus, mon Dieu, la peur panique. Il n'a pas vu le diable, ni Nosferatu. Mais c'est comme si quelque chose, par rapport à vous, hein, ça vous concerne, lui a fait peur. Un attachement trop grand, ou des choses qui vont trop vite, ou je sais pas, ou des choses, ou une incompréhension. Pour moi, là, je vous dis plusieurs choses, je ne sais pas laquelle est la bonne, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui l'a dit, oula, pour l'instant, on va rester comme ça. Ce n'est pas une déception. Parce que quand on est déçu de quelqu'un, on dit, ah, moi, j'espérais qu'elle soit comme ci, puis elle n'est pas, ça me déçoit. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est une sorte de peur.
Enfin, encore une fois, tout est relatif dans la peur. Hein. Ce n'est pas une peur panique non plus. Ce n'est pas mon Dieu, au secours, je prends mes jambes à mon cou. Ce n'est pas ça. Mais c'est comme si quelqu'un disait, oula, peut-être que je ne vais pas m'embarquer dans cette histoire parce que voilà, ceci, cela. Voilà. Donc c'est une sorte de quelque chose. Alors, encore une fois, difficile à dire quoi, comment, et faudrait faire une recherche ou poser plusieurs questions. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui l'a un petit peu fait, encore une fois, c'est un petit peu fait peur et déstabilisé par rapport à vous. Voilà. Et puis, je peux vous demander, cet homme, il sort, est-ce qu'il sort comme un coureur, comme un filou? Ça, c'est pas mes termes à moi, le filou, je sais. Non, voilà, c'est, ça veut Le filou, tout il est pour tout le monde. dire. Alors, est-ce qu'il pourrait être quand même comme sortir comme un coureur, hein? Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Moi, déjà, dans mon ressenti, ça me dit un peu oui, hein, mais enfin, on va voir ce que me disent les cartes. Oui, ben après, alors un petit peu, effectivement. Moi, je dirais que je le qualifierais de demi-filou. Donc, il y a un peu, mais c'est pas non plus quelqu'un qui a une fille tous les 2 soirs différentes. C'est pas dans ce style-là non plus. Mais comment dire, si l'occasion se présente, l'occasion fait le larron, on dit, donc il va pas cracher dessus, il va pas dire non. Mais c'est pas non plus qu'il y a quelque chose qui arrive tout le temps. Voilà, c'est un peu très épisodique. Voilà. Donc j'ai quand même une chose par rapport à la question d'avant que j'ai ressenti, que j'ai oublié de vous. Pas que ouais, on est pas, on est, je suis passé à autre chose. Je pense quand même, même si je sais que on avait dit que c'était pas ça. Il y a quand même une indication qui m'est arrivée en bas, et on avait dit, il me semble que c'est pas ça, que ça c'est égal, mais finalement, je pense que c'est quelque chose qui lui a fait peur, c'est quand même votre différence d'âge, hein, quand même. Vous avez une différence d'âge, et même, alors, même si des fois on se dit, bon, c'est pas important, on a une différence d'âge, quelque part, c'est comme s'il avait réfléchi, il se dit, ouais, bon, maintenant, voilà, c'est comme ça, mais dans 10 ans, 15 ans, ça va être comment? C'est quand même quelque chose qui l'a un petit peu fait réfléchir en se disant, ouais, c'est pas 3, 4, 5 ans qu'on a différence, c'est plus. Et je pense que quelque part, quand on parlait d'une peur, je pense que ça, alors, je dis pas que c'est que ça, mais ça en fait partie. Ça en fait partie quand même. Hein, donc, il faut le savoir. Alors, vous savez que je suis quelqu'un de très direct, et si je dois dire une chose, je la dis. Voilà, je sais que c'est peut-être pas gentil ce que je vous dis, parce que vous êtes un peu Non, plus âgé que lui, mais de toute façon, mais on en a voilà. beaucoup parlé avec Voilà, lui, voilà. hein. Mais ça fait partie, ça en fait partie. Je pense que, Ouais, sûrement, bah et oui. effectivement, je sais que vous en avez eu parlé, puis que vous disiez non, moi ça m'est égal, il m'est égal. Mais des fois, c'est du blabla, et puis finalement, enfin, il le pensait peut-être vraiment, mais en réfléchissant par la suite, ça dit oh là là, mais quand même, on a quand même une différence d'âge Presque qui. 20 ans, Ouais, ben voilà. Donc, à la fin, on se dit d'abord non, c'est pas important, mais c'est quand même finalement important. Enfin, ça a une certaine importance, on va dire comme ça. Hein. Voilà. Autre chose encore? Oui, ben, en fait, je voulais savoir pour donc la personne N. Donc maintenant, il faudrait qu'elle fasse quoi pour déménager? La personne N, vous dites? Oui, qui veut déménager. D'accord. Je veux pas être indiscret, mais elle habite quelle ville? Lausanne, Genève, Fribourg? Non, sur France. Sur France, d'accord. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Alors, moi, je sais pas les blocages qu'elle a, c'est compliqué, mais. Alors, vous n'êtes pas obligé de nous les dire, mais est-ce que peut-être vous avez une idée de peut-être ce qu'elle devrait faire? Est-ce qu'elle doit ranger des papiers? Est-ce qu'elle doit. Non, ben, disons Non. c'est. Est-ce Elle que. est inscrite à plusieurs endroits, elle est française, mais Son voilà, c'est. revenu, ce qu'elle a, j'ai vu l'âge qu'elle a, est-ce qu'elle est, elle est quoi? Elle est en retraite, cette personne? D'accord. Est-ce que le revenu qu'elle a, parce que je pense que soit en France ou ici, je pense que quelqu'un qui gagne pas assez, on va pas lui donner un appartement trop cher, voilà, donc Ben, c'est, je oui, sais. voilà, c'est pour ce genre de logement qu'elle recherche, Qu'elle voilà, pas recherche, trop cher quand pas trop même. cher. Alors,
Je sais pas comment on pourrait poser la question, parce que je sais pas si les cartes vont nous répondre dans ce sens-là. Alors, ce qu'on pourrait dire, est-ce que, alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça, c'est compliqué à dire comme ça, mais est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que si elle a, est-ce que, alors, ou est-ce que peut-être en étendant sa recherche ou en arrangeant ou en modifiant, alors, en modifiant peut-être, je ne sais pas si on peut modifier ses. Ou comment elle va trouver un appartement alors? Par elle, par un organisme? D'accord, ça on peut regarder Ouais. effectivement. Un chiffre entre 1 et 6. Le 2? Parce que comment? En cherchant, mais Oui, automatiquement, hein, voilà. des fois on peut chercher nous, ou alors c'est un endroit où on est inscrit qui nous Absolument, propose. absolument. Où on a des agences qui recherchent pour vous, effectivement. Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. D'accord. Alors, ça me parle assez, effectivement, d'aide. D'aide extérieure. Alors, l'aide extérieure, c'est effectivement ce que vous dites, une agence, un organisme. Est-ce qu'il existe des organismes d'État en fonds, j'en sais rien, qui aident les locataires, je ne sais pas, je ne connais pas assez. Mais c'est Oui, comme on si a. ça me disait qu'effectivement, elle devrait. Vous savez, comme ici, on allait subventionner des fois ou des choses comme ça. Donc, je ne dis pas qu'en France, c'est la même chose, mais c'est comme si on devait s'inscrire. Ou solliciter parce qu'il y a quand même l'aide. Et puis, ça confirme quand même qu'elle finira par trouver quelque chose. Hein. Donc, encore une fois, tout à l'heure, j'ai jamais dit qu'elle ne déménagerait jamais, mais qu'il y avait comme un blocage. L'argent, le financier, est quand même, c'est normal, très important. C'est clair que tout propriétaire, il veut pas, voilà, il veut être sûr que la personne est solvable, patati patata. Donc ça c'est dans l'importance. Mais je pense pas que. Je pense qu'il y a. Alors, est-ce qu'elle a des. Comment je peux dire ça? Elle a toujours. Elle a pas eu de soucis financiers ou des choses comme ça dans le passé? Non, 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 jamais? non. D'accord. Ni de problème avec la justice, elle ou un proche, ou un mari, ou il y a personne. Non. Il n'y a rien de tout ça. Enfin, un proche ou un enfant. Ou, parce que c'est marrant, on voit qu'il y a. Parce qu'effectivement, il y a la carte de la justice, c'est marrant qui est là. Mais bon, après, encore une fois, c'est très difficile. Bon, les choses devraient bouger, elles devraient trouver. Et c'est vrai que elle, ça va être quelque chose d'assez. Enfin, que je qualifierais de brusque. C'est-à-dire que. Je dis comme ça, le lundi, je ne parle pas de ce lundi, mais le lundi, elle ne sait pas encore elle a rien trouvé. Puis tout d'un coup, 3 jours après, le jeudi, on lui dit, ah, il y a quelque chose. Ça va être très rapide au moment où elle va le savoir. Hein. D'accord. Mais encore une fois, il faut. Voilà. Est-ce que ces dossiers qu'elle a déposés partout, comme vous dites, sont bien ficelés? Il n'y a pas quelque chose qui l'handicape? Parce que des fois. Comment dirais-je, il y a des choses qui peuvent nous handicaper, comme dans les curriculum vitae, il suffit d'un mot ou quelque chose qu'on a mis qui fait douter l'employeur ou qui fait douter, donc puisque je parlais de curriculum vitae, qui fait douter l'employeur, mais qui peut aussi faire douter un futur logeur ou une gérance ou un propriétaire qui tout d'un coup dit, ouf, cette personne-là. Voilà, je dis comme ça, elle a habité 40 ans dans le même endroit, elle a jamais voulu bouger. Ça peut être, pour certains propriétaires ou bailleurs, ça peut être une bonne chose en disant, ah ben c'est une personne stable qui est restée 40 ans quelque part, qui paye son loyer. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi, ah mais c'est quelqu'un qui est difficilement bougeable. Une fois qu'elle est quelque part, si on a besoin de l'appartement, ben on ne pourra plus l'en déloger. Je dis ça comme ça, encore une fois. Hein. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait, bien qu'elle relise les dossiers ou ce qu'elle donne dans les gérances. Des fois, il vaut mieux pas tout mettre, pas tout dire et rester au plus simple en disant, voilà, moi je gagne tant, je cherche un appartement de temps, à partir de temps, à partir de tel mois. Et puis de ne pas, voici mon adresse, mon téléphone, et de ne pas trop rajouter, ni dire ce qu'on a fait comme. Alors on peut dire on est à la retraite, mais on n'est pas obligé de dire ce qu'on a fait comme travail. Donc voilà, il n'y a pas besoin de. Il ne Non, faut non, pas bien donner sûr. trop de Non, détails. Voilà. non. D'accord. OK, autre chose? Ben non, écoutez, je lui dirai alors. OK. Alors, merci Merci. beaucoup en tout cas d'être Ben, passé. merci beaucoup à vous aussi, À une hein. prochaine, passez une très très belle fin de D'accord. soirée. Merci Merci beaucoup. À beaucoup, vous aussi, Serena. Au Bruno. Au revoir, revoir. merci. Merci Au beaucoup. revoir, au Au revoir, revoir. au revoir. Merci. Voilà.
0901 901 993, le numéro que vous pouvez, que vous devez composer si vous voulez me parler. Donc ce numéro suivi du 1 si vous voulez être avec moi, suivi du 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez aussi que vous avez la possibilité de participer à cette émission. Comment ? En vous inscrivant au concours ou par lettre ou par SMS, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS, ou bien vous pouvez nous écrire sur une simple feuille de papier ou sur une carte postale et vous mettez bien sûr votre prénom, mettez un prénom et aussi un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre et vous envoyer ça à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 et cube blanc. Et voilà, donc nous partons tout de suite pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir Bruno. J'étais en pleine... C'est Rita. Oui, bonsoir, j'étais en pleine réflexion. Comment allez-vous ? Je vous ai vu, Bruno. Écoutez, particulièrement, j'ai mes énergies, j'ai des soucis d'allergie avec les yeux. Oui. Et là, on m'a changé en traitement. J'espère que ça sera le bon parce que... C'est horrible, ça me démange, ça gratte, je sais qu'il ne faut pas. Mais j'ai vu que vous êtes à l'antenne. Oui. Si vous pouvez me soulager avec un secret pour que je dorme au moins cette nuit. Alors d'accord, donc pas de souci. Donc c'est vrai que voilà, je ne peux pas aller trop dans le médical, mais on peut voir si ça va aller mieux quand même pour vous. Hein. D'accord, ok. Ou Bruno, si ce nouveau traitement... ça va aller, je vais aller contre la guérison avec voilà, ce nouveau voilà. traitement. Voilà, alors merci. Très bien. Alors. Merci Bruno, je l'ai eu aujourd'hui, merci. D'accord, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Quand on a un mal ou la souffrance, c'est toujours terrible, effectivement. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Les yeux, c'est pénible, les yeux. Le 5. D'accord. Merci. Alors écoutez, ça fait longtemps que vous avez ça ? Oh, je vous dis, Bruno, ça va faire, oui, quelques semaines, ça allait mieux, puis là, j'ai rechuté de nouveau. Ouais. Donc, c'est quoi que vous avez comme douleur ou vous avez, c'est quoi les yeux, vous dites ? J'ai dû arrêter le travail. Oui, est-ce que vous voyez que c'est polémique, le pollen ? Ah, c'est le pollen ? Oui, est-ce que vous voyez ça aussi sur les cartes ou... Bah écoutez, moi je ne peux pas tout voir, je ne peux pas donner de diagnostic médical, vous dites c'est le pollen. Moi je vois, ce que je vois, est-ce que c'est dû à ce nouveau traitement? Moi je dirais que les choses vont aller de mieux en mieux, c'est vrai. Et ça devrait faire le tour, on voit qu'il y a eu des soucis, et puis qu'il y en a encore, mais il faut un petit peu... Alors c'est comme tous les traitements, il faut qu'ils se mettent en place, etc. Je pense qu'on vous a donné un bon traitement. Vous avez certainement quelqu'un... Vous avez été voir quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça? Oui, et puis c'est un traitement assez lourd, là, assez puissant. Tout à fait. Mais écoutez, alors, c'est comme tout, c'est comme je viens de dire, quand on fait un nouveau traitement, c'est pas qu'on le prend aujourd'hui, demain, ça va déjà mieux, il faut que le corps s'habitue, il faut que les choses se mettent en place, mais ça va aller assez rapidement, comme je vois. Hein. Donc, on voit la carte du temps et la carte de la stabilité, et moi, je dirais, alors,
sans trop m'engager, que ce que vous avez là, bien sûr, est tant mieux. À un moment, vous allez vous dire, ouf, c'est plus qu'un mauvais souvenir. Hein. Donc, effectivement, Oh ça va aller. Et comme vous l'avez dit, je vais vous faire le secret. Comme ça vous aidera en attendant que ça aille mieux. Puis peut-être vous avez demandé aussi que vous puissiez, parce que vous dormez pas bien à cause de ça, en fait, bien sûr. Non, parce que ça me gratte, on ne doit pas, mais c'est comme des crises. Mais dans les yeux, vous avez ça? Oui. Et puis ça vous fait quoi, des larmes? Enfin, je veux dire, ça vous fait couler du liquide ou... Oui, c'était dû à une conjonctivite. Et là, je ne suis D'accord. pas sortie de tout ça. D'accord, ok. Et puis je pense que vous avez été voir des spécialistes, des ophtalmos, Oui, ce qu'il fallait, en oui, fait. oui, oui, D'accord. oui. Bon, alors, je vais vous faire le secret. On va. Alors, attendez, avant de faire le secret, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça, je le fais à la fin. Ou est-ce que c'était tout ce que vous aviez besoin, ma chère madame? Non, ça serait vraiment ça pour Ce me serait vraiment soulager. ça. D'accord. Alors, vous allez voir, j'ai le petit carré blanc que j'ai au bout des doigts. Comme j'ai dit, il y a quelques secondes de décalage, ça va arriver. Vous me dites quand vous voyez le petit carré que j'ai au bout des doigts. Merci, Bruno. Est-ce que vous le voyez, le petit carré? Oui. Voilà, parfait. Alors, regardez-le bien quelques secondes. Et maintenant, vous fermez les yeux et vous continuez à penser à ce petit carré blanc et à vous-même. Pensez pas à vos yeux, pensez à vous de façon générale. Et puis vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai à faire le secret. Merci. Je suis prête. On y va et je vous dirai quand c'est fini. Merci. Voilà, c'est fait. J'espère que ça vous aidera. J'ai fait un tout petit peu plus long parce que j'ai travaillé et vos yeux et aussi le fait que vous puissiez vous détendre et essayer de dormir. Hein, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si dans même quelques jours, même demain, dans 2 jours, 5 jours, 10 jours, vous avez de nouveaux besoins. Parce que c'est vrai que le repos, comment dirais-je, le repos et le fait de pouvoir récupérer, c'est très important. Parce qu'en plus de ça, quand on ne dort pas, on devient encore plus nerveux et on a de la peine à Oui. s'en sortir. Et je comprends, hein, je comprends. Bon, Oui. beaucoup de courage, oui. Hey Bruno, si je ne profite pas trop, je peux poser encore une autre Mais question. oui, allez-y, je vous avais proposé, allez-y, allez-y. Sur mon professionnel, si je vais continuer parce qu'il y aura des changements, Oui. est-ce que moi on va me garder par la suite? Est-ce que j'ose ne donner pas de nom d'entreprise ou d'organisme, mais qu'est-ce que vous faites comme genre de travail? Qu'est-ce que vous faites Dans la vente. dans la vente? Il y aura des licenciements, alors je voulais voir si moi je restais parce que moi j'aime assez. C'est assez. Mais bon, avec ce que vous avez, ces temps, vous êtes arrêté, je pense, j'imagine, ou bien. Là, oui, je vais aller gentiment, juste quelques heures. D'accord. J'ai pas compris. Vous allez quelques heures. Juste un petit peu, oui, pour D'accord. aider un petit peu. D'accord. Alors, le travail. Qu'est-ce que vous vendez, Merci. quel genre de choses vous vendez? De l'alimentaire, je sais pas, des Oui, alimentaire, oui. alimentaires. Voilà, c'est juste pour le ressenti. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, madame. 6. 6, d'accord.
Vous avez contrôlé tout ce qu'on appelle les allergies alimentaires, les choses comme ça. Vous avez fait des contrôles de ça un petit peu? Je vais faire prochainement, j'ai un rendez-vous. Alors, moi, je pense qu'ils vont découvrir des choses que des fois, c'est ce que j'ai ressenti. C'est comme si on va dire, ah ben oui, vous êtes allergique à ça. Puis des fois, on se dit, ah tiens, je ne savais pas. Il y a quand même des... C'est pour ça aussi qu'on sent et on voit que ça va s'améliorer parce qu'effectivement, quand on peut identifier qu'est-ce qui vous perturbe ou qu'est-ce qui vous provoque ces allergies et qui peut-être vous provoque aussi ces problèmes de yeux, je dis peut-être, encore une fois, hein, je ne sais pas, encore 1 000 fois, 10 000 fois, je ne suis pas médecin, mais c'est un ressenti que j'ai que ça devrait aussi vous aider. Hein. Merci. 4, donc voilà, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Ça fait longtemps que vous travaillez à cette place? Oui. C'est-à-dire combien d'années? 4 ans. 4 ans? Ah, c'est pas... Oui. Oui. Mais j'ai travaillé auparavant et puis je suis une revenante. D'accord. Alors, la seule chose que disent les cartes, pour moi, je vous y vois rester pour l'instant. Mais c'est vrai que à un moment, peut-être, où vous partirez, où vous diminuerez encore, parce qu'on voit. Alors, je ne sais pas si c'est diminué, parce qu'en fait, ce que je vois aussi, c'est que là où vous êtes, si vous deviez être trop, 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 trop absent, alors, beaucoup de patrons, beaucoup d'entreprises n'aiment pas, hein, mais c'est pas qu'on vous. Ce n'est pas. Il faut pas prendre dans le style que. On vous donnerait votre congé parce que vous êtes absente maintenant. Mais il faudrait, si vous voulez ce que disent les cartes, il faudrait pas que ça se répète trop, trop, trop souvent, parce qu'il finirait peut-être par dire, mais écoutez, si ça va pas, ben il faut, je sais pas, faut demander un AI ou il faut arrêter ou voilà, vous ne pouvez plus. Mais pour l'instant, je vous vois continuer. Donc, mais je pense que dans allez, d'ici 2 ans peut-être, aussi 2, 3 ans, vous allez peut-être ou lever le pied. Ou simplement arrêter complètement, ça se peut. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on voit là. Mais pour l'instant, pas. Hein. Donc voilà, pour l'instant, ils vont pas vous licencier. Et encore une fois, on voit que votre patron ou vos employeurs, pour l'instant, ça passe. Mais voilà, c'est comme partout quand quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez été beaucoup absente jusqu'à présent, mais si on commence à être Non, absent, non. vous n'avez pas. Mais si on commence à être absent régulièrement ou absente régulièrement. Ils vont peut-être, je dis pas qu'ils vont vous licencier à cause de ça, encore une fois, mais ils pourraient avoir des doutes et vous dire qu'effectivement, peut-être, voilà, il faudrait peut-être penser à envisager les choses d'une autre façon. Mais voilà. OK? Merci, Bruno. Merci à vous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Merci. N'hésitez pas à demander encore le secret, hein, si vous avez besoin. D'accord? Merci beaucoup, Bruno. Bonne Merci. fin d'émission. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Merci Vous à vous. gentillesse. Au Merci. Au revoir. revoir. Mais je vous en prie, c'est moi. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, bah, c'est le système qui choisira à votre place. Et puis, bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 justement au 701 francs par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Tout de suite, on accueille une nouvelle personne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais bonsoir, cher monsieur. Comment... Et vous-même, comment allez-vous? Ouais, ça va, avec toute cette pluie, on est content. Ça nettoie tout, ça nettoie tout. Oui, voilà, on ne pourra pas se plaindre qu'il y a de la sécheresse au moins, ça c'est Voilà, voilà, l'avantage. voilà. Et puis, voilà, toutes ces, justement, il y a beaucoup de gens qui souffrent déjà des pollens, des choses comme ça. C'est peut-être, je sais que quand il y a de la pluie, ben, ça nettoie un petit peu, hein, voilà. Ça... Oui, tout à fait, ouais, Voilà. exactement. Bienvenue, mon cher. Je ne me souviens jamais, je change votre prénom ou pas? S'il vous plaît, ouais, s'il vous plaît. Et j'ai une idée, je vais vous appeler Esteban ce soir avec E. Vous allez avoir un petit peu côté latino comme ça. Voilà, comme ça on reste en Espagne. Voilà, exactement. Et je change le prénom de l'autre personne aussi. Ouais, s'il vous plaît, aussi.
Alors, je vais l'appeler. Qu'est-ce qu'il y a en Espagne avec A? Je suis en train de chercher. Ah, vous Amanda. savez mieux que moi. Amanda. Amanda. Voilà. Amanda. Voilà. Parfait. Je pense qu'Amanda, c'est plus. Ouais, je ne sais pas qu'espagnol. Je pense qu'il y en a partout, effectivement. Oui, un Hein? petit peu partout aussi. C'est anglo-saxon aussi, je crois, il me semble. D'accord. Voilà. Merci. Alors, je pense que l'arrière, on a dû faire une erreur. Ça m'étonnerait qu'elle soit de cette année-là. Parce Je qu'elle peux pas aura. vous dire. Oui, non, parce que je veux dire, avec l'année qu'elle a, elle doit avoir un nom, à peu près. Vous la donnez l'année, c'est 2002. Oui, mais on m'a mis 2022. On m'a mis 2022. Ah oui. Non, là, je confirme. Dis donc, vous les prenez au berceau. Hein. Non, c'est 2002, voilà, c'est une erreur de frappe, je pense. Voilà, parfait. Alors, je vous écoute, mon cher Esteban, dites-moi ce que je peux faire pour vous, quelle est votre question, s'il vous plaît. Alors, la première question serait pour moi, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'est par rapport aux professionnels. Donc, on en avait déjà discuté. Donc, là, je suis en recherche d'un nouveau poste en interne dans la société dans laquelle je travaille. Oui. Donc, le poste que je vise et n'est pas ouvert, je me suis renseigné auprès de mes supérieurs, donc il n'est pas ouvert actuellement. Et donc, je voudrais savoir si ça va se, bah, si on va avoir un poste qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines ou prochains mois, et puis si je pourrais obtenir ce poste. Que ce soit celui-là ou un autre, ou bien absolument celui-là, vous voulez dire? Parce que la Bon, question j'ai est. envie de dire, ouais, Oui. je suis ouvert éventuellement à d'autres postes, Voilà. pas n'importe lesquels, mais je suis ouvert. C'est Parce vrai que que. celui-là me plairait bien, Tout à mais fait. Tout à fait, parce que la question est différente, comprenez? C'est où oui. on pose, est-ce que ce poste va finalement s'ouvrir et je pourrai l'avoir, ou est-ce que je vais trouver un poste similaire, équivalent, je ne sais pas comment on peut dire, ou quelque chose d'autre, mais qui serait aussi. Parce que je sais que ça serait un poste supérieur, c'est bien juste. Oui, tout à fait. Oui, ce sera un poste supérieur, mais c'est vrai Supérieur. qu'il y a tellement de départements différents que voilà, après, D'accord. je suis pas contre changer de département non plus. Alors, on va poser la question, on va poser la question de cette façon-là. Y a-t-il un poste qui va se libérer, quel qu'il soit, en fait? Voilà. Y Oui. aurait-il un poste qui se libérerait pour vous pour pouvoir progresser dans cette entreprise? On va y aller comme ça. Ouais, Hein? tout à fait. Ouais, on D'accord. peut faire plus général, tout à fait, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. En le 3, Le s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, il y a un petit peu d'attente, hein, quand même. Oui, ça je m'en Peut-être, doute. ouais, Excuse-moi, peut-être comme vous le excuse-moi. voyez. Ça dit pas non. Ça dit que. Alors, moi, ce que je vois. Alors, attendez, je vais aller jusqu'au bout. C'est vrai que je dis toujours aller jusqu'au bout avant de parler, mais je vois que ce n'est pas la même chose là. Je suis pas ce que je. Faites ce que je dis parce que je fais, comme je disais l'autre chose. Alors, voilà. Alors, il y a un petit peu d'attente. Il faut. Et puis. Comment dirais-je? Ce que je ressens, c'est que les gens qui sont à ces postes, bien sûr que rien, tout est immuable, je veux dire, les choses peuvent bouger, mais des fois, les gens, quand ils sont ancrés et qu'ils sont bien dans un poste, c'est difficile peut-être de les obtenir. C'est ça que je voulais dire. Donc, ce que je voulais Ouais, dire ouais. par là, c'est que les gens qui sont peut-être à ces postes, qu'éventuellement, quel qu'ils soient, puisqu'on a parlé de au hasard, et que peut-être vous convoiteriez, ne sont pas libres effectivement pour l'instant et qu'ils ont l'air de s'y accrocher. Ce qui ne veut pas dire. Que tout d'un coup, quelque chose peut arriver, qu'une personne parte précipitamment, enfin, que je dis précipitamment, que tout Ouais, d'un oui, coup, elle doive partir pour une raison X, Y, personnelle, familiale, ou que l'entreprise, il n'y a plus d'accord avec cette personne. Ça, c'est difficile à dire. Donc, on voit ouais. quelque chose comme ça. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même deux choses qui apparaissent dans le jeu. On vous apprécie pour ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de démontrer. Et on a pris en compte ce que votre demande. Ça, c'est important. Parce que des fois, Oui, on dit c'est en courant, oui, alors oui. oui, alors posez, ouais, enfin on verra. Puis ils s'en fichent. Non, c'est, on en tient compte. On se dit, OK, c'est noté. S'il y a quelque chose qui se libère, on pensera à lui. Donc ça, c'est bien. C'est pas qu'on vous a mis, on a mis le dossier au fond d'un tiroir et que on l'oublie. Donc voilà. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on en tient compte. Mais effectivement, les cartes pour l'instant sont un petit peu fermées. Alors, je suis pas sûr que ça se libère dans quelques mois.
ça peut être un peu plus loin. D'accord, ouais. Voilà. C'est ça, c'est la chose qui est un petit peu malheureusement négative. Et après, ça changera. Ouais, voilà. Ouais. Je serais même tenté de dire, je me demande si ça ne sera pas en 2024 plutôt qu'en 2023. Mais je ne peux pas, vous le savez. Oui, tout à fait, le temps. Oui. Ouais, le temps, c'est compliqué, effectivement. Voilà. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites demain? C'est la finalité. Qu'est-ce que vous faites demain? Je sais que vous allez faire des choses intéressantes. je sais pas du tout. D'accord. Je sais pas, je tentais comme ça. Peut-être changer de ville, prendre le train, je sais pas. Oui, c'est... Bon. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres c'est questions? C'est une hypothèse. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Moi, j'aurais pu vous demander qu'est-ce que je fais demain, mais bon, c'est pas très intéressant. Attends, déjà, regarde. Est-ce que vous avez d'autres questions, Esteban? Oui. Donc, par rapport à Nanda, alors, je voulais vous demander aussi, par rapport à son professionnel. Donc, j'en ai un petit peu discuté avec elle. C'est vrai que pour l'instant, c'est très, très fermé. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien d'ouvert. D'accord. Bon, vu la situation aussi dans son pays, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu démoralisée par rapport à ça, qu'elle a un petit peu baissé les bras. Mais ça, c'est mon ressenti à moi. Mais je voudrais quand même voir si... Si elle va trouver quelque chose. Si elle va quand même trouver quelque chose sans parler de durée, j'ai envie de dire, sans dire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais voilà, qu'à un moment donné... Mais juste une question, qui est Amanda? Ah oui, pardon, c'est vrai, c'est le nom que... Oui. Je disais, enfin, c'est pas le prénom que j'ai en face de moi, non, je plaisante, je sais qui c'est. je voulais vous embêter. Oui, Amanda, oui, voilà. Alors, est-ce qu'elle va trouver... J'ai l'esprit taquin ce soir. Alors, est-ce qu'elle va trouver quelque chose? Est-ce qu'elle va trouver, on va dire, un travail... Elle va pas forcément trouver dans ce qui lui plaît, même, on va dire au sens large du terme, même si c'est un petit boulot, un partiel, si quelque chose comme ça, quelque chose de nourricier. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, ouais. En mélangeant les cartes, je vois des cartes qui apparaissent, qui confirment un petit peu que le travail, là où elle est, dans le pays où elle est, c'est pas évident pour l'instant. C'est presque mission. C'est pas mission impossible, mais presque, on va dire. C'est compliqué. Disons qu'elle pourrait, elle pourrait, mais c'est vraiment des choses qui sont pas intéressantes, qui sont sous-payées, qui sont mal payées, qui sont pas très, peut-être pas très valorisantes, on va dire. Peut-être que la situation fait qu'aussi à certains, ils profitent un petit peu. Je sais pas. C'est ce que je ressens. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah oui, donc ça c'est évident. Vous avez dit le 2, hein. Je sais plus. Oui, le 2, oui, s'il vous plaît. Voilà. C'est compliqué, le travail. Alors, attendez, on va aller voir jusqu'au bout. Est-ce qu'elle pourrait bouger? Ou pas trop? Elle tient à rester là où elle est actuellement? Alors, je ne lui ai pas forcément posé la question, mais après, le problème, c'est que elle vit avec sa famille, donc ça ferait des frais de plus. À mon avis, je pense pas qu'elle voudrait, pour l'instant. Après, c'est une ville, j'ai envie de dire, qui est de la taille de Lausanne. Après, elle peut très bien passer d'un côté à l'autre de la ville. Après, voilà, elle peut aussi bouger, dans ce sens-là, vous voyez. Ça dépend Parce qu'en fait, c'est ce que disent les cartes, c'est que pour l'instant, effectivement, ça confirme que c'est très compliqué, qu'elle peut effectivement trouver des choses, mais que si c'est pour gagner des clopinettes ou qu'on abuse d'elle, je parle d'argent, hein, bien sûr que finalement, contre elle, travaille des heures et des heures et des heures pour gagner une misère. C'est presque mieux de rien faire, c'est peut-être exagéré, mais c'est comme si on me disait que pour l'instant la situation elle est quand même très effectivement, ça confirmé, compliquée. Maintenant,
Moi, ce que j'ai ressenti d'après ces cartes, c'est que si elle bouge un peu, mais qu'est-ce que veut dire bouger? Est-ce qu'elle doit faire 10 km, 50, 100? Ça, c'est là aussi compliqué à dire. Les distances, c'est la même chose que les chiffres, c'est compliqué. Mais elle Oui, bien devrait. sûr. C'est comme si elle devrait un petit peu. Et puis, il y a deux. Oui, il y a deux choses. Sortir du cadre peut-être de cette ville, mais ça peut être peut-être à 10 km. Il n'y a pas besoin de faire 300 km, peut-être. Et puis aussi. Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, mais peut-être chercher des choses un peu différentes. Oui, bon, elle a un petit peu cherché dans tout, parce qu'elle était même postulée dans la restauration, dans la vente, dans voilà, je pense qu'elle cherche assez large, mais elle veut pas non plus n'importe quoi. Alors c'est peut-être ça qui bloque aussi. Alors oui. En gros, elle m'a dit que ce qu'elle trouve, c'est comme chez nous, c'est-à-dire que les employeurs veulent quelqu'un d'expérimenté. Donc puis bon, quand c'est votre premier boulot ou que vous n'avez pas beaucoup travaillé dans la vie, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, moi, je la vois quand même, il faut dire une chose. Alors, attention, je ne veux pas dire qu'elle ne veut pas travailler, mais je la vois quand même, je pense, à cause de tout ça, pas mal démotivée, quand même, en fait. Hein. C'est comme si. Ouais, c'est ce que j'avais dit au début. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a un peu baissé les bras. Elle a peu baissé les bras, effectivement. Vous savez, quand on. C'est comme tout quand on cherche pendant longtemps, puis qu'on trouve rien ou que des choses, qu'on dit, oh là là, mais là, ils veulent. Je sais pas, ils me donnent 3 francs. Je dis comme ça, je ne sais pas quelle monnaie c'est là-bas, 3 francs 50 de l'heure, mais ils se fichent de moi, ils veulent profiter. Puis pour finir, ça nous tombe sur le moral, puis on se dit, mais. Voilà, donc voilà. Et puis bon, après, on continue à chercher, mais je pense quand même qu'elle est un petit peu démotivée. C'est peut-être passager, moi, ce que je ressens, parce qu'il y a quand même la carte des choses qui devraient bouger en deuxième partie d'année. Hein. Mais c'est clair que maintenant, les contrats, le travail, je sens que c'est quand même. Enfin, on ressent que c'est très, très compliqué. Hein, je comprends. Enfin, je comprends. Je comprends ce que veulent dire les cartes, c'est surtout ça. Hein. Oui, Voilà. tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en trouvera pas. Bah, moi, je dirais, par rapport à ce que j'ai vu, que c'est peut-être c'est un mauvais moment. Voilà. Tout à fait. Oui. Puis contre ça, on peut Et après rien. quoi? Des fois, ça ne veut pas dire. Alors qu'elle continue à chercher pour pas rester inactive, mais en fait, c'est comme si on lui disait, c'est comme si elle faisait des coups d'épée dans l'eau. C'est un peu de l'énergie perdue pour rien, mais quelque part, ça la motive quand même à continuer à chercher. Et elle finira par trouver. Donc voilà, mais. Voilà, ça peut prendre du temps. Autre chose éventuellement, mon cher Esteban. Écoutez, oui. Alors, je voulais éventuellement commencer gentiment à lui parler de ma prochaine venue, même si je ne sais pas encore quand ce sera. D'accord. Est-ce que c'est une bonne idée Maintenant? d'anticiper, oui, enfin, quand je dis maintenant, je dis Ouais, peut-être ce que vous le voulez mois dire, c'est prochain ou. ouais. Commencer à lui parler de ça, en fait, c'est surtout ça. Voilà, commencer à lui parler de ça, voilà, pas qu'elle se dise, tu sais, en fait, voilà, c'est sympa, on discute, mais finalement, est-ce qu'il va venir un jour, ou est-ce qu'il a l'intention de le faire? Peut-être juste lui parler déjà de mon intention, que je commence à me renseigner un petit peu, si c'est le cas. D'accord. Voilà, est-ce que c'est une bonne idée, ou est-ce que les cartes conseillent plutôt d'attendre encore, de que ce soit plus concret, Il quelque faut, part? j'allais vous dire une bêtise, il faut y aller comme casque bleu. Là-bas, Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est une bêtise qui m'est passée par la peut-être tête. le casque sera utile, mais je sais pas si bleu ça sera utile. Les casques bleus, on sait ce que c'est, hein, quand même. Voilà, donc c'est. Oui, Voilà. Alors, Bon, alors, soyons sérieux. Est-ce que c'est bien de commencer à lui parler de votre. d'une voie On va dire d'un déplacement éventuel, possible. puisque rien n'est fait, éventuel venue prochainement. Voilà. Voilà. Dès que vous pourrez. Un chiffre entre 1 et 6. Par le 6, s'il vous Le plaît. 6, d'accord. 2, 3, 4, 6. Vous en avez déjà parlé de ça ou jamais encore? J'ai vaguement, mais c'est très, comment dire, j'en ai parlé sans en parler, je sais pas comment vous le dire, c'est-à-dire que je l'ai évoqué comme ça au détour d'une phrase en plein milieu d'un autre sujet, mais sans vraiment le dire clairement. Et puis de D'accord. toute façon, c'est une fille qui esquive, c'est-à-dire qu'à la limite, si
Si vous posez directement la question, elle va peut-être y répondre. Par contre, si moi-même j'esquive, c'est pas elle qui va désesquiver. Ça part Pascal, d'arisme, on quand va vous avez évoqué le sujet, alors elle a esquivé ou elle vous a Elle a dit que ça, esquivé. elle vous a Ouais. pas dit que ça lui ferait plaisir ou rien du, elle a rien dit du tout. Elle a rien dit du tout. Elle a rien dit du tout parce que voilà, c'était juste au détour d'une conversation qui n'avait rien à voir. Ou des fois je lui dis ouais j'aimerais bien J'aimerais bien venir être une avec toi en fois. ce Voilà. Ouais. moment, des choses comme ça, voilà, mais c'est pas concrètement, je lui ai pas dit Alors. je vais venir. Alors, les cartes disent quand même qu'elle le prendrait pas mal. Moi, je pense que. Parce qu'il y a quand même la carte du. C'est pas l'esquive, là, mais c'est comment je peux vous donner le terme exact? C'est comme si elle vous disait elle-même, c'est peut-être pas le bon moment. Ouais, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très protectrice. Et qui va certainement peut-être s'inquiéter pour moi. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'elle vous C'est dirait, bon, on peut envisager ça, mais peut-être qu'il faut attendre un peu. C'est pas peut-être bientôt, mais c'est peut-être pas tout à fait le bon moment pour une question de protection pour vous-même, effectivement. Hein. Donc voilà, parce qu'on sait jamais. Alors voilà, mais disons que par rapport à la question, est-ce qu'elle le prendrait bien ou mal, elle le prendrait bien. Ouais. N'y a aucune carte là qui dit que. Mais c'est vrai que peut-être elle se dirait, oula. Est-ce le bon moment? Est-ce que c'est le bon timing pour qu'ils viennent? Peut-être qu'il faudrait attendre un petit peu de voir la situation, comment ça se passe, comment ça se développe, et on verra dans quelques mois. Mais le fait que elle prendrait pas mal parce que vous voulez aller là-bas, elle va pas dire, Ouh là là, je veux pas le voir. C'est pas du tout ça. Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire parce qu'en plus, vous voyez, elle a quand même la connaissance, la sagesse. Vous connaissez un petit peu les cartes, donc c'est vrai que ça dit oui. Mais c'est cette carte-là qui et c'est elle là qui bloque un petit peu. Mais c'est plus encore une fois, vous voyez, il y a la carte et c'est marrant, hein, vous voyez, c'est là et il y a la carte de la protection. Donc c'est comme si elle avait un peu peur pour vous, effectivement, en se disant voilà, c'est pas son pays, et voilà, il y a des choses qui se passent, c'est peut-être pas le bon moment, voilà. Mais ça veut pas dire non. Hein. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas la situation qu'il y a actuellement. Sans trop dévoiler, ben, elle vous dirait, ben oui, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est un petit peu, Oui, bien c'est sûr. peut-être un petit peu à cause de ce qui se passe dans le pays en ce moment. Voilà. Et la chatte, c'est elle, hein, Pardon? si je ne m'abuse. J'ai pas La compris. chatte, c'est elle. C'est Non, elle. la chatte, c'est elle qui est tout en haut. Exactement. C'était elle. C'est pour ça que je disais qu'elle est un petit peu. Oula, j'aimerais bien, mais c'est peut-être pas le bon moment. Ça Voilà. sort les griffes, Voilà. Donc quoi. voilà. Donc voilà. Ok, autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour pour ce soir, mon cher Esteban? J'avais juste une dernière question, si vous avez encore un petit peu de temps. J'ai un petit peu de temps. Ouais. Je suis là jusqu'à 22 heures. Je vais pas vous prendre toute la soirée quand Non, 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 c'est pas de souci. Dites-moi. Je voulais juste, ben justement, qu'on parle de ce voyage. Quand il aura lieu, Oui. est-ce qu'il va bien se passer? Alors, parce que je sais qu'il y a deux questions. Il peut y avoir le voyage en lui-même. Oui. Est-ce qu'il va bien se passer? Parce que bon, c'est un voyage qui n'est pas évident. Oui. Et puis sur place avec elle. Donc je pense qu'il faut poser deux questions séparées pour ça, parce que Oui, ça risque de je être pense que c'est confus, mieux. je pense. Alors, le voyage en lui-même, le Alors déplacement. j'ai pas de date. En général, je sais que vous aimez bien avoir une date, parce que c'est plus facile pour se connecter. Mais bon, là, en l'occurrence, bien entendu, je n'ai pas encore de date. Ben non, non, mais pas tout si simplement. Non, non, mais on va parler le prochain voyage où vous pourrez aller là-bas. Est-ce que le déplacement, le voyage, qu'il soit en avion, en car, ou j'en sais rien, est-ce qu'il va En bien avion, se ce sera passer? pas le cas, quoi. Non, je ne sais Je pas. Je peux dis que. bien vous le dire. Bon, mais peut-être que d'ici là, les choses auront évolué. Hein, peut-être, je ne sais pas. Hein, Oui, voilà. tout à fait. Tout à Mais fait, est-ce qu'il va bien se passer le voyage en lui-même, le déplacement? Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6. Alors, le 5, s'il vous plaît. Ah, ouf, mon Dieu. Alors, je ne sais pas si ça répond. Parce qu'il n'y a aucune. Alors, on va refaire la question, mais je sens qu'on ne l'a pas bien posée. Alors, comment est-ce qu'on peut. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que j'ai dit, je n'ai pas pensé au lieu, mais moi, je le sais, je vais le dire dans la tête. Hein. Alors, est-ce que. C'est Alors, possible. voilà. Parce que c'est vrai que le voyage, lequel, comment, avec qui. Alors, est-ce Ah que. Voilà. oui, ça. J'ai pas été assez précis dans mon mental. Alors, est-ce que. Voilà, puis il faut aussi dire comme ça.
Alors, un chiffre entre 1 et 6. Bon, je reprends le 5. Oui. Là, j'ai été plus précis. Tout de suite, oui. J'ai pas besoin d'aller plus loin, ça dit oui. Et effectivement, j'ai précisé le lieu et j'ai dit au moment où tout ira bien, où toutes les choses seront plus claires, est-ce que ça va bien se passer? Là, on me dit oui. Voilà. Mais donc, ce qui veut dire qu'effectivement, si vous deviez aller demain, ça serait non, effectivement. Hein. Donc, il faut attendre, faut attendre un petit peu les choses. Mais là, oui. Alors, on va poser l'autre question que vous avez. Est-ce que le fait d'être voyage sur place avec elle, voilà, ça va bien se passer. Est-ce que ça va bien se passer avec elle, le contact et tout ça. Ok. Ouais. Et puis je reprends le 5. C'est à nouveau, c'est le 5. Le 5, d'accord. Ok, pas de souci. Alors. Oui, écoutez, c'est vrai que je dirais que ça dit oui en général, mais vous pouvez quand même être surpris par certaines choses. Hein. Donc voilà, mais pas forcément négative. C'est comme si j'essaie de ressentir ce que veulent me dire les cartes. C'est comme si vous seriez content à 90%, voilà. Mais il y a quand même des petites choses. Ouais. Bon, après, sur place, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Etc. Ah oui, non. Il y aurait quand même des choses qui seraient peut-être pas, voilà, qui seraient peut-être pas inhérentes à elle, mais c'est plutôt par rapport au contexte, en fait, ce que je vois. Hein. Voilà. Ce qui me semble un peu normal, finalement. Hein. Voilà. Ne serait-ce que, d'imaginer, je sais pas, un hôtel sur place ou des choses comme ça qui pourraient pas être forcément très, très conviviales. Ou... Donc, je m'attends à ce genre de choses. Ouais, puis peut-être qu'après une période comme ça s'est vécu là-bas, je sais pas si les étrangers sont hyper super bienvenus, quoi. J'en sais rien, je sais pas. Hein, mais bon, mais vous courriez je sens pas que vous courriez un danger. C'est pas dans ce sens-là, mais. Oui. Non, bien sûr, j'ai compris. Oui, voilà, mais c'est simplement que vous te direz, voilà, quoi, c'est comme ça. Mais bon, les circonstances font que. Mais disons, de façon générale, il y a la carte de l'appui. De l'appui, donc pas la pluie, hein, l'appui. L'appui, on en a l'appui, c'est ici. Ouais. L'appui, elle échange. Elle est là aussi. Et puis, il y a quand même la carte du contentement et de la convivialité et du plus. Voilà, je resterai vague. Voilà. Je découvrirai le plus dans moi-même. Voilà, le plus, vous le découvrirez là-même. Restons zen. Le moins aussi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci ou est-ce qu'on a encore d'autres choses? Oui, c'est tout. Au revoir. Merci beaucoup. Écoutez. Merci en tout cas d'être passé. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Oui. Passez une belle soirée, une bonne fin de dimanche. Et puis à bientôt. Merci de votre appel, mon cher Esteban. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, on va se quitter quelques instants pour une courte page de publicité qui nous arrive là tout de suite. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, ça continue. Là, il reste moins d'une demi-heure. À peu près une vingtaine de minutes, si vous voulez encore nous atteindre. 0901-901-993, le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran. Le 3, vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui prendre. Vous appuyez sur la touche numéro 3 de votre téléphone ou sur votre portable 3. Et c'est le système qui va choisir pour vous, sans que vous ayez à choisir, à vous casser la tête, qui, comment. Vous aurez quelqu'un qui, vous verrez, ça va très 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 bien fonctionner. Et tout de suite, ben, on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien, et vous aussi? Mais ça va passer un dimanche un peu pluvieux, c'est ça? Oui, un peu plus tranquille. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais voilà, ici en tout cas du côté de Lausanne, la journée avait pas trop mal commencé, mais elle a moins bien fini. Mais bon, il ne fait pas trop froid, ça va, ça va. Un peu comme chez nous, région bon. Fribourg, la même chose. Fribourg, d'accord. Alors, est-ce que, je ne me souviens pas, est-ce que je change votre prénom ou est-ce que... Oui, 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 volontiers, oui. Alors, je vais vous appeler Mylène. Et comme la chanteuse. Mylène, mais ça m'est venu comme ça. Et puis l'autre personne, je change aussi. Hein. On va l'appeler... Oui. On va l'appeler... Non, on ne va pas l'appeler. On va lui donner un nom. On va l'appeler Pascal. Allez, Pascal. Les hommes, des fois, c'est plus dur. Alors, je vous écoute, ma chère Mylène. Qu'allez-vous nous chanter? J'allais dire, qu'allez-vous nous poser comme question? Ah, ben, c'est pas, hein. En plus, c'est deux fois, peut-être. Vous êtes, non, vous... D'accord, bon, ben, chantez pas, alors, parce que... On va laisser à l'autre Mylène le soin de chanter, voilà. Exactement. Quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir, ben, actuellement, que cette personne, c'est fini, et j'aimerais savoir si c'est définitif. D'accord. Alors, on n'était pas vraiment un couple déjà à la base. Hein. D'accord. C'est fini depuis quand ou depuis combien de temps? À peu près. Une semaine. Combien? Une semaine. Ah, c'est tout récent en fait. Oui, 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 oui. Oui. Et votre plus ou moins relation, puisque vous dites que vous n'étiez pas vraiment un couple, ça a duré environ combien de temps? Une année et demie. Une année et demie. Oui. C'est lui qui a interrompu, c'est vous ou c'est tous les deux, comme un accord, on va dire? C'est moi qui ai dit que, ouais, il y a des choses que c'était un peu trop dur pour moi, et puis voilà. Vous avez coupé, d'accord. Oui, et puis là, ben, ça, il n'y a pas d'autre choix que d'accepter, quoi. Ce que je ressens, ce que font toujours les... Enfin, toujours, souvent les gens, autant hommes que femmes, des fois, ces coupures sont plus une espèce de... coup de fouet en voyant, pour savoir si la personne va réagir ou pas, c'est un petit peu ça. Oui et non, parce que c'était une relation triangulaire, donc... Un peu compliqué, un peu compliqué. Voilà, d'accord. Bon, alors, on va poser la question, cette relation avec Pascal est-elle définitive? Un chiffre entre... Alors, rien n'est jamais définitif, mais est-ce que pour l'instant elle va durer ou est-ce qu'elle... Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Parce que des fois, les gens, pendant 2 ans, je dis n'importe quoi, 3 ans, ne se voient pas, puis après, ça peut recommencer. Hein, ou une année, j'en sais rien. Hein, donc c'est... mais ça peut s'interrompre un certain temps. Et puis, peut-être que, je dis comme ça, dans X années, ou 6 mois, 10 mois, on se retrouve parce que peut-être les choses ont changé aussi, hein, puisque vous avez parlé d'une... Si vous voulez, c'est plutôt le fait que j'étais un peu sèche et directe. Voilà, que je n'aurais peut-être pas dit les choses de cette façon-là, comme ça. C'est ça que je regrette un petit peu. C'est pas... Voilà. Que vous avez dit un peu sèchement, vous dites? Oui, tout à fait, ouais. Vous m'avez dit le 3? Oui, le 3, oui. D'accord. J'ai quand même une question par rapport au... Ce n'est pas une question comme ça, c'est par rapport aux cartes que je vois. Depuis que vous avez... mis le haut là à cette relation, est-ce qu'il vous a recontacté ou pas? Non, depuis une semaine pas. Je vous dis ça parce que... Alors, attendez, j'ai encore voir quelque chose.
Moi, je dirais, d'après les cartes que je vois, qu'il a quand même, même si vous avez dit peut-être OK, bon, moi, c'est toi qui décides, j'ai l'impression, dans mon ressenti, qu'il a un peu de la peine à accepter cette décision, en fait. Il a peut-être dit, ouais, OK, bon, ma foi, tu fais comme tu veux, ou je ne sais pas comment il vous l'a dit, ben voilà, c'est ta décision. Mais malgré tout, intérieurement, c'est comme si ça le pèse. Alors, je peux comprendre, ça le pèse, ou disons, il est pas, c'est normal, hein, on n'est jamais très content quand on nous dit des choses comme ça. On est avec quelqu'un, puis on dit stop, et la personne vous dit stop, je ne veux plus. Tant que peut-être la situation n'est pas claire, etc., etc., ça c'est, voilà. Ça c'est encore autre chose. C'est ce que je ressens de vous dire. Eh bien, pour moi, je préfère en rester là pour l'instant. Mais en fait, c'est comme si, voilà, il a été obligé d'accepter, mais intérieurement, mais intérieurement, il ne l'accepte pas. Voilà. Et moi, je dirais sincèrement, bah, pour l'instant, il y a un éloignement. C'est ce qui se passe maintenant, cette semaine-là. Mais je ne pense pas que ce soit du... encore une fois, je ne suis pas plus royaliste que le roi, et je n'ai pas la vérité ni la science infuse, mais je dirais que pour moi, ce n'est pas fini. D'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il va... Alors, c'est vrai qu'il a des décisions à prendre, ce monsieur, comme beaucoup de gens d'ailleurs, mais il a des décisions et des choses à faire. Il serait le fait qu'on le pousse un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va exactement faire ce qu'il doit faire ou peut-être quitter l'autre personne, je ne sais pas. Mais disons, il y a quand même des décisions qui devraient se faire. Quelque part, moi, je vois quand même dans le jeu qui tient à vous. Voilà. Malgré tout. Oui, ça je pense. Et puis, je ne lui ai pas mis un ultimatum en lui disant tu fais ci ou c'est fini. Oui, tout à fait. Mais pour moi, c'est la situation que pour moi, elle me fait souffrir. Et puis. Je lui ai pas du tout dit, fais ci ou on arrête. Je lui ai dit, écoute, moi, ça ne me convient plus. Ce n'est pas la première fois que je lui dis. Hein. Il sait très bien. Il sait très bien aussi que, comme vous l'avez dit, vous lui avez dit plusieurs fois. Ça ne veut pas dire que... Je ne veux pas dire par là qu'il se dit « Ah, mais on a déjà fait ça, puis de toute façon, on se remet ensemble. » Ce n'est pas ça. Parce que je ressens quand même que cette fois, c'est comme s'il l'avait pris un peu plus comme un... Comment dirais-je? Comme un coup de fouet dans le visage, un peu plus fort, en fait. Hein. Donc, on se dit, cette fois, elle est vraiment... Il n'y attendait pas, je pense. Parce que là, il m'a dit un truc qui m'a... C'est la goutte d'eau, quoi. Ouais. Et puis moi, ça m'a fait mal. Et puis, je dis, ouais, cette fois, c'est bon, quoi, j'en peux plus. Mm. Et puis, je sais que j'étais peut-être un petit peu trop... Voilà, pas dure, mais... Ouais, un petit peu sèche, quand même. Voilà. Parfois, des fois, les choses doivent être dites, hein, parce qu'on ne peut pas toujours vivre sur des choses dans le paraître ou dans l'illusion. Et puis, voilà, les choses vont bien pendant un certain temps, mais ça peut pas, voilà, on ne peut pas rester comme ça 20 ans, c'est sûr, je comprends, hein, ni 10 ans, ni 5 ans. Et c'est, parce qu'effectivement, moi, je ressens que vous avez aussi pris cette décision, parce que vous avez l'impression de tourner en rond et que les choses n'avancent pas. Tout à fait. Voilà. Exactement. Et je peux comprendre. Parce qu'à un moment, on se dit, voilà, bon, ben, ça va. Ça lui convient peut-être bien à lui, mais moi, ça m'a convenu. Ce que je lui ai dit, ça me convenait bien un temps. Ouais, mais pas tout le temps. Je venais de me séparer aussi, mais maintenant, pour moi, c'est... Je comprends. Plus trop ce quoi. Moi, je pense qu'il y a... Alors, encore une fois, hein, je ne veux pas être plus royaliste et loyaliste que plus royaliste que le roi, mais pour moi, les cartes m'indiquent que cette relation n'est pas terminée, qu'elle va reprendre. Mmh. Et d'après ce que je vois, ce que je ressens, elle devrait reprendre certainement... Alors, difficile de vous dire s'il prendra les bonnes ou les décisions, mais cette relation devrait reprendre certainement dans des meilleures conditions. C'est-à-dire, il y aura plus d'engagement de sa part. Bon. Après, comment, pourquoi est-ce qu'il... Voilà, parce que d'après, vous avez dit qu'il y a une troisième personne. C'est comme oui, si... parce qu'il n'est pas libre. Oui, voilà. J'ai bien compris. Donc voilà, mais à un certain moment, une relation de triangulation, c'est ce que c'est. Hein, donc voilà. Donc c'est vrai que, mais bon, on ne peut pas avoir, comme peut-être je vous l'ai déjà dit ou je l'ai dit à d'autres personnes, on ne peut pas avoir toute sa vie le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la laitière et tout le monde. Il faut à un certain moment. Maintenant, peut-être que de l'autre côté, je le sens mal pris. Il vit avec l'autre personne ou pas du tout? Oui, bien sûr. Donc, parce que des fois, il y a des relations, mais on ne vit pas ensemble. C'est vrai que... Enfin,
Oui, non, il est marié, il a des enfants. C'est compliqué, hein, c'est compliqué ces situations. Et moi, je n'ai jamais demandé de quitter ou de faire quoi que ce soit. Je lui ai juste dit que maintenant, pour moi, venir comme ça, entre deux portes, ça ne me convenait plus, quoi. Mais je comprends, je comprends. Comme vous dites, ça Et a convenu à j'ai mon... un Ça a... message, Ouais, j'ai ça a plus convenu quelques à mon... vacances, j'ai quasiment plus de messages. Pour moi, ça vient lourd, quoi. Moi, je dirais, laissez un petit peu comme c'est, comme vous l'avez mis, voir, lui va réagir. Et c'est lui qui va réagir. Encore une fois, le fait qu'il y a ses enfants, tout ça, c'est pas facile. Et je vous ai dit, c'est pas forcément qu'il va dire, voilà, qu'il va tout abandonner, mais il devrait prendre les choses d'une autre façon. Peut-être, vous savez, les gens, des fois, peuvent dire, prendre des décisions en disant, par exemple, de l'autre côté, que finalement, ça va plus, puis qu'il a quelqu'un qui va pas, bon, il va pas les abandonner financièrement et tout ça, mais que voilà, et puis que cette fois, ben, il va peut-être décider de... Moi, c'est ce que je ressens un petit peu. Hein, voilà. Ils ont quel âge, les enfants? Ils sont petits? Oui, ils ont moins de 10 ans. C'est jamais Mais, facile. bon, moi, à la limite, si vous voulez, ce que je me culpabilise, c'est que j'étais un peu trop dure ce soir-là. Et puis, j'aurais dû lui dire, ouais, pas de cette façon-là. Et puis, pas couper avec mon pont comme ça, mais il y a deux enfants, moi. Excusez-moi, je vous entends très très mal. Pouvez-vous bien parler et un peu plus fort dans votre micro? J'ai pas tout saisi. Vous lui avez dit quoi? Je pense que j'étais un petit peu dure et Oui, sèche oui. en lui disant ça comme ça. Quelque part, je ne voulais pas carrément couper les ponts, vous voyez. D'accord. Vous lui avez laissé une Et porte puis, entrouverte quand même. non, justement pas. Ah, d'accord. C'est pas ce que j'avais pas bien compris. D'accord. OK. Non, je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête d'insister, puis il m'a répondu qu'il n'insisterait plus, qu'il m'écrirait plus, puis je voulais savoir si c'était vraiment. C'est vraiment ce qu'il allait faire, quoi. Moi, je dis pour l'instant oui, parce qu'on voit que c'est comme s'il dit, alors là, j'ai dit que je ferais plus ça et tout ça, mais je pense qu'il pourra pas résister. Voilà. Une chose, quelque chose fait que vous allez vous retrouver. Et encore une fois, je dis pas qu'il va vous promettre monts et merveilles, mais c'est comme si, est-ce que il prendra plus de temps? Est-ce que peut-être vous sortirez moins? Parce que vous sortiez des choses comme ça ou non? Il venait juste comme ça vous voir à la maison, je pense. Non, justement pas, rien de tout ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est très frustrant, je comprends, hein, je comprends Ouais, tout à fait. c'est en deux portes, c'est l'histoire d'une demi-heure. Voilà quoi. Vite fait, bien fait, au revoir, merci, à la prochaine, quoi, ouais. Ouais, puis entre deux des messages, et puis voilà quoi. Ouais, donc je comprends, je comprends, je vous comprends tout à fait, hein, voilà. Mais je pense que, encore une fois, alors, voilà, je promets rien, mais mon ressenti va quand même dans le sens que... Il est en train, moi je le ressens maintenant, c'est en train de lui travailler beaucoup. Il est mal pris parce que voilà, d'un côté il a cette famille, de l'autre côté il a vous. Bon, il voudrait rien perdre parce que. Alors, c'est vrai que c'est pas seulement son cas, mais beaucoup de cas d'hommes ou de femmes, lorsqu'il y a des enfants, c'est toujours très compliqué à prendre la décision. Maintenant, Oui, parce que bien ce que. sûr, je Parce que comprends bien. voilà, parce que moi ce que je ressens, c'est qu'avec cette autre personne, la femme ou sa femme, il n'y a plus rien. Donc, il a trouvé chez vous ce qu'il n'y a plus de l'autre côté. Mais il y a ses enfants qui sont entre deux. Et là, je pense que c'est un petit peu. Et je ressens que c'est. Alors, je ne veux pas dire du mal sur cette personne, qui est peut-être très sympa, mais je pense qu'elle ressent bien. Je ne dis pas qu'elle a ressenti que vous étiez là, mais je pense qu'elle ressent que peut-être son mari lui file entre les doigts. Et puis, elle lui a peut-être dit si tu fais l'andouille, ben, tu ne reverras pas, ou je ferai tout pour. Que tu vailles pas tes enfants, badadada, puis elle le tient un petit peu, comme on dit, par la cravate, pour rester poli. Ouais. Donc c'est pas évident, hein, quand on vous dit des choses comme ça, vous dites, mais j'ai pas envie de perdre mes enfants. Voilà, les enfants, c'est les enfants. La femme ou l'homme qu'on a choisi, c'est pas de notre sang, c'est quelqu'un qu'on a choisi. On n'est pas de la même famille, voilà. Mais les enfants, c'est notre sang, et c'est Tout compliqué. à fait, C'est oui, bien compliqué, sûr, c'est mais ça je compliqué. comprends tout à fait. Voilà. Mais. Mais voilà, que ça soit un petit peu plus que ce qu'il m'apporte actuellement, Voilà, ouais, moi. moi c'est ce que je disais. Je pense qu'il va se débrouiller pour être plus présent. Peut-être qu'il va dire, bah,
Il va peut-être trouver l'excuse pour dire je dois partir 2 jours quelque part. Puis alors vous partez 2 jours, un week-end les deux. Voilà, bon, ben, il faut mentir. Mais ou bien il viendra manger avec vous. Donc c'est vrai que, parce que je comprends que si c'est juste pour le crac-crac, boum-boum, ça va un moment, mais comme voilà, on a envie de faire. Il faut appeler un chat, mais on a envie aussi d'autres choses. Je le comprends. Et je vous comprends. Au bout d'un moment, on se lasse, quoi. Voilà. Tout à fait. Ben, vous verrez, moi, je pense que les choses vont aller dans ce sens. Il va faire des efforts. À lui de se débrouiller, hein, il veut cette situation. Ben, à lui de se débrouiller un petit peu. Après, ça ne veut pas dire que vous allez vous voir tous les jours ou tous les week-ends, vous allez partir ensemble. Ça, je ne le pense pas. Mais si c'est déjà... Voilà, je sais bien. Mais si c'est déjà un peu plus que ce qu'il y a maintenant, ben, c'est déjà tout ça de gagné. Je pense que, sincèrement... Si j'avais vu qu'il ne tenait pas à vous, puis qu'en fait, il venait juste pour le crac-crac-boum-boum, comme on a dit, bah, à ce moment-là, c'est pas intéressant. C'est pas pour vous intéressant, parce que vous dites, bah, ce type, il vient juste pour ça, et puis après, il n'en a rien à fiche de moi. C'est pas ça. Je peux pas vous dire ça, parce que je ressens pas qu'il est comme ça. Et il tient à vous. Et vous l'avez dit que vous le sentiez. Donc, voilà. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose de plus. Simplement, il a le cul entre deux chaises, comme on dit chez nous. Et puis, il a une fesse et un quart chez vous et trois quarts de l'autre côté, si je peux me permettre. Donc, c'est compliqué. Mais encore une fois, moi, je sens qu'il va... Il va se débrouiller, on peut tous se débrouiller et puis trouver des façons de faire qui font que, voilà, bon, on est obligé de passer par le mensonge, on n'a pas le choix, on ne peut pas dire à l'autre, écoute, je pars avec ma maîtresse, on se revoit la semaine prochaine. Voilà, il ne va pas faire ça. Voilà, donc c'est, voilà, parce que de l'autre côté, alors je la sens, je ne sais pas si vous la connaissez ou il vous en a parlé, mais je sens qu'elle n'est pas... Non, pas du tout. Si, alors, c'est quelqu'un que je ne ressens pas de méchant, mais si on lui comment dirais-je, si on touche assez à ce qu'elle a, que ce soit lui ou ses enfants, ce que je peux aussi comprendre, elle ne va pas se laisser faire. Voilà, elle va. Voilà. Et je pense que lui, il le sait, ça aussi, effectivement. Donc, voilà. D'autres questions encore ? On a encore le temps de faire une question, si vous voulez. Oui, alors, justement, vous voyez, pas une fin définitive, mais alors, maintenant, est-ce que je vais avoir prochainement de ses nouvelles ? Alors, allez-vous avoir des nouvelles de lui prochainement ? Voilà. Alors, de toute façon, moi, je ne vais pas bouger, ça c'est sûr. Oui, mais ça, je pense. Mais alors, encore une fois, comme je le dis toujours, comme je le dis, vous le dis, et puis je le dis aussi à des élèves qui font des cours, quand on fait des choses comme ça, de voyance, médiumnité, les dates, c'est très compliqué. Hein. Vous dire s'il va vous contacter dans 3 jours, 5 jours ou 3 semaines, c'est compliqué. Mais on va quand même voir s'il va vous contacter, puis voilà, on verra ce que disent les cas. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Parfait. Alors, il y a 2 choses. Il va vous contacter, mais plutôt du style comme peut-être vous faisiez SMS ou quelque chose comme ça. Vous voir physiquement, ça, il va peut-être attendre un petit peu, parce que je comprends que c'est aussi quelqu'un, on le voit, de respectueux. Il se dit, elle n'a plus trop envie de me voir, donc je ne vais pas aller m'imposer chez elle ou ailleurs. Donc pour l'instant, je vois plutôt assez rapidement, mais qu'est-ce que c'est que là ? Est-ce que c'est 3 jours, 1 semaine, 2 semaines ? C'est entre 1 et 3 semaines, je dirais, d'après les cartes. Hein, mais ça, c'est très aléatoire. Mais je tendrais à dire entre une et trois semaines. Donc, ça fait déjà 1 semaine. Donc, ça peut déjà être cette semaine qui vient ou la suivante, dans les 2 semaines qui viennent, qui aurait un contact. Mais vous contactez comment d'habitude ? Par SMS, par téléphone, par... Oui, tout le temps par SMS. Voilà. Oui. Donc, il reprendrait un contact déjà par ce biais-là. Et puis, le contact, quand je dis physique, je ne parle pas du fameux boum-boum craquant, mais de vous revoir, peut-être pour boire un café ou bien venir chez vous comme ça, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Parce que c'est comme s'il se disait, je ne sais pas comment vous dire, j'ai besoin de reprendre contact avec elle, peut-être d'essayer, on va dire entre guillemets, de la reconquérir, de reparler avec elle avant d'aller de nouveau chez elle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, quelque part, oui, je vous comprends, parce que même moi, actuellement, le revoir maintenant, non, c'est non. D'accord. Reprendre le contact par message, oui, oui mais oui. Pas forcément de se voir, non.
Alors ça peut prendre un petit peu plus de temps et je pense que ça se rep... Alors ça reprendra parce qu'on voit la reprise, mais pas tout de suite, ça, effectivement. Ça viendra en deuxième rideau, pas un peu plus tard, voilà, effectivement. Mais oui, ça me dit oui. Voilà. OK. D'accord. Autre chose encore ou est-ce qu'on a terminé? On a encore le temps. Juste une dernière. Non. Non, ça joue? OK. Non, je crois que. Ou bien, alors, à part lui, est-ce que j'ai une autre rencontre? Oui, on peut. Faire un petit peu. Mais c'est vrai qu'on peut aussi regarder ça, parce que. Parce qu'effectivement, si ce monsieur. J'ai fait une rencontre à part lui entre deux. À Paris? J'ai plus de nouvelles. Vous avez dit à Paris. Qui aurait pu m'intéresser. Vous avez dit quoi? À Paris, vous avez dit? Non, à part lui. Ah, à part lui, j'ai compris, à Paris. À part lui, bon. À part lui, vous avez fait une rencontre, oui. Et vous n'avez plus mais de nouvelles. On s'est vu, il y a eu un bon feeling, puis il n'y a pas eu de suite. Et puis j'étais un peu déçue, alors éventuellement regarder avec cette personne. Alors, je n'ai pas le prénom, mais on va dire, est-ce qu'il y aurait une nouvelle rencontre ou est-ce que je peux vous donner la première là, si alors, vous dites-moi. La date. Dites-moi. Alors, c'est N. N comme Nestor. Oui, si vous... Non, mais c'est pas Nestor, je sais, mais c'était juste pour définir. Et c'est une personne qui a à peu près quel âge? Parce que je pense. Elle est du 20 novembre 77. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Ah. Je suis très étonné parce que je me disais intérieurement, ça va être compliqué, mais non, il y a. Vous vous êtes vu, sans vouloir être indiscret, vous êtes vu par hasard quelque part comment vous vous êtes rencontré? Non, c'était sur un site de rencontre et puis on s'est vu pour boire un café, ça s'est bien passé, il m'a réclamé le lendemain et puis... Écoutez, ça dit oui, hein, donc ça dit que... Alors, parce qu'il y a la carte des honneurs, donc ça veut dire effectivement c'est la carte que je cherchais pour savoir si ça serait une nouvelle personne ou ça serait une personne que vous avez déjà vue. Alors... ça ne parle pas de Pascal, hein, mais ça parle parce qu'on est parti sur quelqu'un d'autre. Donc moi, je dirais que vous allez vous revoir et pourquoi pas, il pourrait se passer quelque chose parce que les cartes sont assez ouvertes. Hein. Donc, ce que j'ai un peu peur, hein, d'après mon ressenti que je vois les cartes, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est un petit peu sur le passionnel, les rencontres, mais peut-être pas vraiment à la construction. Hein. Donc, méfiance quand même. C'est l'impression que j'ai eue, ouais. Voilà. C'est-à-dire que, ouais. C'est comme dans un certain film, je ne dis pas qu'il a un tableau de chasse, mais c'est un petit peu, enfin, vulgairement parlant, c'est un petit peu ça. Hein. C'est quelqu'un qui aime les rencontres, mais qui ne s'attache pas vraiment, en fait. Hein. Donc, voilà. Et aussi, ce que je ressens, je ne dis pas que c'est quelqu'un de pas bien, hein. Il est peut-être certainement bien, mais quand il sent qu'il y a trop d'attachement ou que... ça va trop loin, bah, il se retire assez rapidement. Hein. Donc voilà. Donc, il cherche, voilà. Okay. Donc il faut. Alors, il peut y avoir quelque chose, mais il ne faut pas trop s'attendre à du sérieux avec cette personne. Et puis, est-ce qu'il y aurait encore une autre personne? Parce que c'est vrai, je fais vite. Donnez-moi juste un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 2. Le 2. Je vais encore vite regarder ça, parce que je pense qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Allez. Allez, carte. Les cartes sont fatiguées, elles ne veulent plus. Voilà, le 2. Je regarde vite encore ça. Ah, oui. Alors, tout de suite... Alors, vous avez une autre... J'ai parlé trop vite. Alors, vite dit, il y a une autre personne qui apparaît, mais c'est une personne du passé qui vient. Alors, est-ce que c'est Pascal ou autre, ça c'est difficile à dire. Mais il y a comme un retour d'une personne qui doit passer par une rupture. Alors, allez comprendre, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, hein. Je suis obligé de vous quitter très rapidement, on est au bout de notre émission, je dois encore vite dire au revoir à tout le monde. Merci beaucoup Bruno, puis de toute façon je vous rappellerai. Il n'y a pas de souci à votre service, vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière si vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À vous aussi, merci Bruno, beaucoup, à bientôt. Au revoir, bonne soirée, voilà. Alors, c'est vrai qu'on est déjà 21h55, vous rendez compte? Donc ça passe vite quand on pose des questions. Voilà, on m'annonce 3 minutes, merci l'arrière. Donc on a encore 3 petites minutes pour nous. Ouf, je pensais qu'il y avait moins. Donc voilà, un petit coup de blanc. C'est de l'eau, hein. C'est blanc l'eau, hein. C'est juste la même chose. Voilà, un petit coup d'eau blanche pour
éclaircir la gorge avant qu'on se quitte. Deux, trois petites informations. Alors, je serai connecté ces prochains jours pas mal. Il y a juste mercredi après-midi où je serai pas mal pris, mais sinon les autres jours, après-midi, fin de matinée, je serai pas mal connecté cette dernière semaine du mois, jusqu'au 30, et après aussi, pas que jusqu'au 30, mais cette semaine, je serai pas mal disponible. Regardez vos écrans, regardez sur Internet, sur le site, pour voir si je suis là ou pas, donc pas de souci, allez-y tranquillement. Et puis si je suis là, et puis comme j'ai dit, si vous voulez absolument m'atteindre, vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Hein. Donc vous savez que la journée, pendant la journée, on est toute une équipe, donc qui sommes à l'arrière. Donc des fois il y a des gens qui sont là le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, d'autres pendant l'émission. D'autres pendant la rediffusion, etc., etc. Pour ma part, je suis là jusqu'à minuit, une heure, entre minuit et une heure maximum maintenant. J'ai levé un petit peu le pied. Je ne fais plus jusqu'à une heure et demie, deux heures, trois heures, deux heures. Donc non, trois heures, j'ai rarement fait. Mais voilà, mais jusqu'à minuit, une heure, vous pouvez encore m'atteindre, passer une heure, ça devient un peu compliqué. Et en général, si les appels se terminent avant une heure, je me déconnecte à une heure. Mais la journée, je suis aussi disponible, bien sûr, je ne suis pas là que le soir ou en fin de soirée. Hein. Voilà. Et pour ma part, donc, je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle semaine. Je ne sais pas quand je reviens la semaine prochaine, je n'ai pas regardé mon agenda, je sais que je viens une fois en tout cas. Donc, sinon, mes collègues sont là. Effectivement, vous pouvez les appeler donc en faisant le 0901 901 993, ensuite vous faites le 2 et ensuite vous faites leur code PIN. Si vous voulez m'atteindre en dehors de l'émission, eh bien pour moi, pour ma part, vous faites le 007 et comme ça, si vous voyez que je suis connecté, je vous répondrai. Voilà. Alors, d'ores et déjà, encore une fois, une très belle fin de soirée, fin de week-end. On va rentrer dans une nouvelle semaine. Je vous souhaite une très très belle nuit. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et qu'ils vous le rendent aussi. Et comme ça, tout ira bien. À bientôt. Au revoir. À la prochaine.